Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir et bienvenue, mon cher Activette, à une nouvelle session dans la poursuite du programme tracé dans le cadre du Activette Webinar. Cette soirée sera spéciale avec notre cher confrère Belkhiri Raouf, qui est un délégué médical au sein d'une entreprise multinationale et qui va vous répondre, inshallah, à toutes vos questions dans le domaine de la délégation. Bonsoir, docteur Belkhiri, et bienvenue. Bonsoir, docteur Soussana Tek Saha, merci pour cette invitation. Bienvenue à tous dans cette session où je vais tout vous expliquer pour tout comprendre sur le métier de délégué médical. Inch'Allah. Alors, on commence. Inch'Allah. Ok, merci. Bienvenue à tous. Alors, délégué médical. Qu'est-ce que c'est qu'un délégué médical et avec quel diplôme on peut faire cela? D'abord, on peut le faire avec notre diplôme vétérinaire, bien sûr, et aussi tous les autres diplômes médicaux, médecin, pharmacien, dentaire et même biologiste. Et on peut aussi faire délégué commercial parce qu'il y a des sociétés on trouve pas de postes médicaux, on peut faire commerciaux aussi avec nos diplômes et avec les diplômes commerciaux comme marketing, commerce, etc. Voilà. Alors, quel est le travail du délégué médical et aussi du commercial, mais on va beaucoup plus se baser sur le médical parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, le délégué médical va travailler avec pharmacie et les médecins. Le commercial, lui, ça sera avec pharmacie et les grossistes. Il va essayer toujours de travailler entre pharmacie et grossiste, d'assurer la disponibilité, de faire des bons de commande et travailler en symbiose avec le médical. Le médical passe d'abord par les pharmacies, essaie de voir la disponibilité des médicaments, essaie de voir la rotation du médicament, s'il marche, si ça ne marche pas, etc. Puis, il ira voir le médecin pour lui présenter le produit, etc. On verra ça en détail dans les prochains slides. Alors, pour faire délégué médical, un point très important, on va commencer par le CV. On doit faire un bon CV soigné parce que la plupart des gens vont faire un CV très simple, basique, comme celui-là, avec une photo floue, avec des informations à la volée. Imaginez-vous, vous êtes un recruteur, vous voyez un CV comme ça, vous n'êtes pas très chaud pour recruter cette personne ou pour l'appeler. Alors que si une personne vous envoie un CV comme celui-là, vous l'avez en main, avec une belle photo, des couleurs, une grosse écriture, c'est clair, c'est net, ça donne envie. Puis, on va passer au détail, on va commencer par la photo. Tout simplement, pour les garçons, c'est en tenue classique, chemise, cravate, ou au minimum une chemise, costard, etc. Pour les filles, une tenue classique aussi. Pas trop de couleurs, une tenue classique. Nom, prénom, bien sûr. Puis, le titre du CV. Le titre du CV, c'est le poste demandé. Vous allez écrire délégué médical ou délégué commercial ou alors délégué médical slash commercial. Pas de souci. Puis, vous allez mettre vos informations. Nom, prénom, adresse, email. Pour l'email, de préférence, un email qui fait professionnel. Genre nom, prénom ou prénom seulement avec un numéro. Évitez, je ne sais pas, naruto@gmail.com, etc. Numéro de téléphone pour qu'on vous contacte. Essayez d'être toujours joignable. Puis vous allez écrire une description de vous à propos de vous, ponctuelle, etc. Alors bon, évitez trop les genre je suis sérieux, je suis, etc. Parce que tout le monde est sérieux. Tout le monde va dire ça. Ce n'est pas ce qui intéresse les recruteurs. Vous pouvez mettre vos loisirs, vos centres d'intérêt, il n'y a pas de souci. Les langues, français, anglais, arabe, c'est très important de bien maîtriser les langues. Puis l'expérience et la formation. L'expérience, de préférence, start par ordre chronologique. 2014, 2019, vétérinaire. 2019, 2020, j'ai fait tel boulot. 2020 à 2021, j'ai fait ceci. Toujours par ordre chronologique, pour l'expérience comme pour les formations.
Voilà, avec ça, vous avez un CV soigné. Après le CV, vous allez le déposer. Il y a des pages Facebook, je vous invite à les aimer ou dans les groupes délégués médicaux. Souvent, les recruteurs postent s'il y a des offres d'emploi pour commercial ou pour médical, pour telle région, etc. Postulez toujours, postulez plein de fois. Comme ça, vous aurez de grandes chances d'être appelé. Quand vous serez appelé pour un entretien, le recruteur vous appelle, il va vous donner un rendez-vous le lendemain ou dans une semaine ou peu importe. Ça sera, si c'est une entreprise qui a un siège à Constantine, ça sera, l'entretien se fera dans le siège. Si l'entreprise est une multinationale ou s'ils ont un siège à Alger, etc., vous allez le faire en général dans un hôtel. Un point très, 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 très important lors d'un entretien, c'est la ponctualité. Vous devez, si vous dites de venir à 9h, 9h moins quart, vous devez être là. Déjà, le recruteur va dire, voilà, là, j'ai une personne sérieuse. Il est à l'avance. Le maquillage, vous devez être prêt. Et vous devez être ponctuel. Ça donne déjà une bonne image du délégué. En plus de ça, il faut être présentable, bien sûr. On ne va pas se pointer en short ou en chemise avec des fleurs, etc. On ne va pas partir à la plage. On va faire un entretien d'embauche. C'est sérieux, c'est professionnel. Donc, chemise, cravate pour les hommes, tenue classique pour les femmes. Éviter trop de couleurs ou des trucs tape à l'œil comme ça. Être ponctuel, être sérieux, être bien rasé. Même les hkayt. Il y en a qui disent, il y a des labos qui acceptent la haie bien rasée, il y en a qui n'aiment pas, carrément. D'ailleurs, j'ai un ami, Maratrell, avec une petite barbe comme ça, chef la superviseur, donc pour éviter ce genre de désagrément, vaut mieux être rasé, être bien préparé, etc. Il faut toujours avoir un CV sur soi, parce que dès qu'on rencontre le recruteur, il va vous demander votre CV. Il va vous poser des questions tout en regardant votre CV. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous dites n'importe quoi? Il va vouloir comprendre certains points, etc. Vous devez être aussi bien renseigné sur le labo. Par exemple, un labo multinational. Vous tapez sur Internet, vous trouvez les informations. Est-ce qu'ils ont fusionné avec un autre labo? La gamme du labo, est-ce qu'ils travaillent avec... Notre gamme, leur cardio, ophtalmo, dermato. Vous aurez une idée comme ça. Comme ça, si vous posez la question, que savez-vous sur le laboratoire? Vous allez répondre, je sais ceci, que vous travaillez dans le dermato, par exemple, dans l'ophtalmo, que vous êtes implanté dans 15 pays. Il va se dire, voilà, c'est une personne sérieuse qui s'intéresse. Puis, toujours le regarder dans les yeux. Monsieur Oedermak, tu as le stylo, la mabotarasek, ou la. Ça fait désintéresser. Ça va le déranger, donc faut toujours le regarder dans les yeux et suivre ce qu'il veut. Écouter, l'écoute active aussi. Il faut toujours écouter ce qu'il dit, puis répondre. Et bien sûr, il faut être déstressé, il faut être à l'aise, parce que lui, il cherche un employé, vous, vous cherchez un emploi. Il va pas vous torturer, il va pas vous traumatiser. Vous allez juste discuter. Si vous êtes le profil qu'il recherche, ça va inchallah marcher. Donc il faut pas trop stresser. C'est pas un interrogatoire. C'est juste un entretien. On va parler. Lorsque vous serrez la main, il faut avoir une poignée ferme. Voilà. On va passer aux questions lors d'un entretien d'embauche. La première question, c'est toujours la même. Présentez-vous. Alors là, ne parlez pas de votre vie, ne parlez pas trop. Une brève présentation de vous, parce que ce qui l'intéresse, c'est votre nom, prénom, âge, si vous avez une expérience, si vous avez fait quelque chose de spécial, ou diplôme. Surtout si vous avez la carte jaune pour les hommes, très très important. Parce qu'on va être à l'aise avec vous, on va vous demander carte jaune et pour éviter ce désagrément. Il vaut mieux parler de la carte jaune. Voilà, à dire la présentation, ni plus ni moins.
puis va vous demander qu'est-ce que c'est qu'un délégué médical ou quel est le rôle du délégué médical. Alors, c'est très simple. Le rôle du délégué médical, vous allez dire, c'est de promouvoir des produits auprès de médecins et de pharmaciens et de remonter les informations du terrain à mes supérieurs. Voilà, en résumé, c'est ça. Voilà le travail du délégué médical, c'est la vente, mais il faut jamais dire c'est la vente. Je ne sais pas pourquoi il déteste ce mot. Puis le recruteur va vous poser la question, vendez-moi ce stylo. C'est très classique, c'est très courant. On va laisser cette question en dernier. On va d'abord passer à la question suivante. Pourquoi vous et pas un autre? Déjà, lorsqu'il arrivera à ce point, c'est qu'il est intéressé. Parce que par cette question, il cherche un bonus, quelque chose de plus. L'HBO Profil Tech, il veut vous voir vous démarquer des autres. Là, n'allez pas dire je suis sérieux, je suis ponctuel, je suis ceci, parce que tout le monde va répondre comme ça. Personne ne va lui dire non, moi je suis pas sérieux, là, etc. Là, il faudra donner quelque chose de plus. Par exemple, si vous êtes fort en informatique, vous allez lui dire, je suis très fort en informatique, j'ai fait des formations, Word, Excel, je maîtrise très bien, surtout le Word Excel, ils sont très très demandés. Le métier de délégué, parce qu'on travaille énormément avec l'Excel. Vous allez lui, voilà, je suis fort en informatique par exemple, ou là, quelqu'un spécial, je sais créer des sites, ou là, je sais. Par exemple, le docteur Sausen pourra dire, voilà, je suis une très bonne organisatrice, j'ai organisé des conférences pour les vétérinaires, etc. La hartlik, pour les vétérinaires, vous pouvez dire, bon, moi, nous avons des patients qui ne parlent même pas, qui sont des animaux, et on arrive à les comprendre. Donc, on arrive à comprendre n'importe qui, on arrive à bien analyser les médecins, etc. Voilà. Puis, à la fin, classe, il va vous demander si vous avez des questions. N'allez surtout pas lui dire non, j'ai pas de questions, ça va, tout va bien, etc. Ça, il va se dire bon, il n'est pas intéressé ou là. Il faut toujours poser des questions. Commencez par, je sais pas, par exemple, je vais travailler dans quelle gamme? Cardio, dermato, etc. J'aurai quel secteur si je travaille? Je travaille en collaboration avec d'autres délégués. Est-ce que je serai seul sur le terrain? Est-ce qu'on a beaucoup de produits? Intéressez-vous au métier et au poste et à l'entreprise. Ah, donc, les questions, collège. Évitez de parler de salaire, là non. Parce que si votre profil l'intéresse, il va vous appeler pour un deuxième entretien. Enfin, le deuxième entretien, il va faire les détails, le salaire, le dossier à fournir, les heures, etc. Voilà, pour les questions, n'arrive à la question, les adrenalia, vendez-moi ce stylo. Comment on va vendre ce stylo? Une erreur à surtout ne pas faire, c'est de parler des caractéristiques du stylo. Mais tu peux dire, bon, j'ai un stylo, il est bleu, il est tout mliḥ, les gens s'en fichent. Lorsque vous allez acheter un stylo, lorsque vous entrez dans une librairie, on s'en fout si le stylo a une lampe électrique ou là si le stylo fait métal ou là. Ce qui intéresse, c'est que le stylo écrit bien. Donc, on va utiliser une technique de marketing qu'on appelle AIDA. AIDA, c'est quoi? Le A, c'est l'attention. I, c'est intérêt. Le D, c'est le désir. Et le dernier A, c'est l'action. On va d'abord commencer par attirer son attention. On va être il s'intéresse. Comment il s'intéresse par des questions, puis susciter son désir et terminer par l'action. C'est la vente en général, l'action. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, pour lui vendre le stylo, vous êtes un vendeur, lui c'est un client. Vous allez commencer par attirer son attention. Bonjour monsieur, vous êtes très élégant, par exemple. Est-ce que je suppose que vous travaillez dans une banque ou dans une entreprise? Il va vous dire oui, je travaille dans une entreprise, c'est bien. Là, on va commencer par s'intéresser à lui. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des stylos? Il va vous dire oui, bien sûr. Pour quelle raison?
Par exemple, pour écrire des contrats, pour signer des contrats de fusion, pour signer les fiches de paie, etc. Donc, à la fin des réunions, il utilise le stylo. Alors, on va commencer par le laisser désirer le produit tenant. Par exemple, le stylo là, vous allez lui proposer un stylo, vous allez lui dire, par exemple, le stylo Texark, il porte un costume bleu. Monsieur, voilà, je vais vous proposer ce stylo qui est très élégant. Il sort très bien avec votre costume. Vous allez vous démarquer lors de vos réunions. Là, vous devez inventer. Clouette la technique, clouette comment il fait pour susciter le désir. Parce que les gens n'achètent pas par raison, mais ils achètent par émotion. Par exemple, vous voulez acheter une nouvelle voiture. La plupart des gens ne vont pas dire, bon, je vais chercher meilleure qualité, prix, Kia. On achète toujours la marque qui nous attire, qui nous plaît. Donc, vous allez jouer sur les émotions. تخليه كي هز لو ستيلو هذا تبان له شغل حاجه كبيره شغل وجه زين بيه شغل في لاغينيو فا سو ديماركي لا فوز اوغمونتي سون ديزير بي فو باسي على لاكسيون فو لي ديز باغ اكزومبل نوتر ستيلو ان اديسيون ليميتي ان ستوك تري ليميتي بوري تومبي ان روبتور تري بروشينمون جو فوز انفيت ا ان بروفيتي تري رابيدمون اي فوالا فوز افي كونكلو فوتر فانت. Bien sûr, on ne peut pas toujours conclure les ventes par une vente. Ça a t'slach, ça a m'a t'slach, mais là, je vous parle de technique. Voilà, c'est pour la question de vendez-moi ce stylo. Là, vous aurez terminé votre entretien. Là, je vous le profil TEC ou là, Egypto. D'ailleurs, une petite parenthèse, les goulikas ou les expérience, etc. Non, les laboratoires, qu'avec mes aïts, ou chauffe CV TEC. S'il voit que dans votre CV, il n'y a pas d'expérience, s'il cherche une personne avec une expérience, il ne va pas vous appeler. S'il vous a appelé, c'est qu'il y a beaucoup de laboratoires qui préfèrent eux-mêmes former les délégués. Que je le façonne à ma façon. Un délégué avec expérience, ou surtout quelqu'un qui fait un petit labo, donc il a une très mauvaise expérience, ça sera difficile. Il dit Mandouche expérience, ce sera plus facile pour lui de le former. Donc, s'il vous a appelé, c'est qu'il est intéressé par votre profil. L'expérience, etc. Donc, même s'ils appellent d'autres personnes avec vous, entretien, un homme expérience, n'ayez pas peur. Vous avez plus de chances que les autres. Voilà. L'entretien, si vous êtes appelé pour un deuxième entretien, il faut connaître les différents postes au sein d'un laboratoire. Alors, les premiers postes, c'est délégué médical et délégué commercial. Les médicaux, médecins et pharmaciens, commercial avec grossiste et pharmacie. Puis, il y a le superviseur régional. C'est quoi? C'est un petit directeur de région, par exemple l'Est. Il y a les délégués TAC Batna, il y a les délégués TAC Constantine, il y a les délégués TAC Sétif. Il y a un directeur TAC la région Est qui les supervise. C'est le superviseur régional. Superviseur régional centre, superviseur régional ouest. Puis, il y a le superviseur national. Superviseur national, il va superviser tout le territoire national. En général, il est directement avec les superviseurs. Il ne passe pas par les délégués. S'il y a une information à transmettre, il la transmet au superviseur qui, eux, vont transmettre au délégué. C'est purement bureaucratif, alors que le superviseur régional, c'est un peu des deux, terrain plus bureaucratie. Il y a aussi le chef de produit. C'est quoi un chef de produit? C'est un peu le même grade que superviseur régional, le même salaire, etc. Mais côté marketing, les ADV. Les ADV, c'est comme des livres comme ça, ferme les produits Tiacom et toutes les informations sur le produit, que ce soit études médicales, des tests, comparaison entre votre produit et les produits concurrents, etc. Et vous allez présenter le produit, le médecin B, c'est un ADV. Puis il y a les flyers, il y a les dépliants, les stylos, tout le matériel promotionnel, beaucoup, c'est au chef de produit de le faire. Et au chef de produit de trouver les études
qui vous favorise par rapport à vos concurrents. On va dire avec le message marketing, les médecins tech. Puis il y a le directeur national, directeur Afrique, directeur international pour les labos internationaux. Donc, c'est Khedma, H24 Khedma. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je connais le directeur Afrique de Pfizer. Il dit كان في ليزيتازوني هز الطياره وصل للدار هو يسكن في الجي وصل للدار بدل القشه وزاد هز الطياره طلع فرنسا من تم زاد راح لاسويس اكسيتيرا حيت هم سي انترناسيونال ديما في الطياره ديما بولو ديما دونك كوم ميتي سي تري ديفيسيل دونك فو نالي با لي فوار ميم سي فو ترافاي دون لو لابو فو زالي لو فوار بتيتر اون فوا بار ان بون اون باس ميتنون ا لا فيزيت ميديكال اون فا دير كو فو افي ايتي بري فو زاد ديليغي مبروك. Comment vous allez vous organiser, qu'est-ce que vous allez faire, comment travailler, etc. Bon, on va commencer par la pharmacie. Parce que vous êtes délégué médical, vous avez des produits. Ou je dire, avant de rendre le médecin directement, tu as le produit tech. Imagine le produit tech, mais quand je fais la pharmacie, il va prescrire, le malade va à la pharmacie, il ne trouve pas le produit, il est le médecin va arrêter la prescription. Donc, on passe d'abord par les pharmacies pour faire une petite enquête. Voilà la pharmacie, bonjour, ça va, ça va. Je suis délégué médical au sein du laboratoire FLEM. Je viens vous demander, s'il vous plaît, vous allez demander si votre produit, vous avez par exemple 3-4 produits, s'ils sont disponibles. D'accord, ils sont disponibles. Très bien, s'ils ne sont pas disponibles. Essayez de savoir pourquoi, est-ce que vous ne les trouvez pas. Vous appelez le commercial. Lui, il va assurer la disponibilité. Bon, s'ils sont disponibles, vous allez demander la rotation. Produit A, est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il y a une bonne rotation? Par exemple, ça va, 5 flacons par semaine, etc. Vous allez demander aussi les concurrents. Il faut bien connaître la concurrence. Concurrent, est-ce qu'il y a? Donc, il y a quelqu'un le concurrent, il te bat 20 flacons par semaine, il te bat 3 flacons par semaine, c'est qu'il ne marche pas. Et on va devoir travailler sur le produit des mimchich, beaucoup plus. Parce que, quitte le médecin, on ne va pas lui faire une présentation, tu as tous les produits de A à Z. C'est impossible, ça va prendre énormément de temps. Ça, c'est disponibilité, si on peut faire, parce qu'il y a des délégués médico-commerciaux. Il redonne les bons de commande, il assure la disponibilité, puis il ira chez le médecin pour lui présenter le médicament et lui parler du médicament. Comme on le dit, rotation. Puis on va chez le médecin. Chez le médecin, il y a un matériel promotionnel. L'ADV, flyer, etc. Chez l'IATECOM, chaque labo a son propre matériel. Qui maintenant, par exemple, l'ADV. Il y a d'autres labos, il y a les stylos, les bavettes, les cadeaux, chez Okulch. On passe d'abord par l'infirmière, bien évidemment. Essayez de dire, surtout le bénédicte de l'homme, s'habitez-vous. Parce que vous allez vous faire rapidement, vous allez vous faire dans la salle d'attente. Bzef. Parfois, c'est le médecin qui décide, mais la plupart du temps, c'est les infirmières. Donc, il vaut mieux sympathiser avec eux. Ou en même temps, les infirmières, ils te regardent comme une idée si le médecin est potentiel. Ou je mets ça potentiel, maintenant, de le rachis. Un médecin qui voit 10 patients jour, mais je un médecin qui voit 80 patients jour. Un médecin qui voit 80 patients jour, parce que je vous dis, chaque délégué médical a des objectifs. Parce que le délégué médical, c'est la vente. Il a un objectif. Par exemple, 100 000 euros par an, plus les objectifs à chaque médicament. Médicament, il y a 30 000, il y a 40 000, des objectifs à atteindre. Si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, première année, ce n'est pas grave. Après 2-3 ans, on te dit que je fais des objectifs, c'est sûr, ils vont vous renvoyer. Les objectifs. Bon, vous avez des objectifs, donc vous allez vous baser beaucoup plus sur les médecins qui ont du monde. Pour ça, vous allez passer par l'infirmière. Vous allez lui demander. Bien sûr, indirectement, moi je suis en train de dire,
واش راكي سافا لاباس تا 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 تبيني غول بانا عندكم غاشي اليوم تبان لي بزاف سو جو باس ابري اكسيتيرا تقول لك وي غاشي واش كده اليوم باغ اكزومبل تقول لك طون اه داكور فوز اوري اون ايدي 3 4 5 فوا فوز اوري كو ميم اون ايدي دو نومبر دو باسيون باغ جور ابري بون دخلك عند لو ميدسان لي ميدسان ما تخافوش منهم لا بلو بار دو طون يقول لك هاو ميدسان وحاجه كبيره شي كلش نو اون بلوس لا بلو كاين بزاف لي ميدسان تقول داخل السوق سي دي ميدسان فريمون نيفو تري تري با يا دي ميدسان فريمون او نيفو الله يبارك دونك فوز الي ايسيي دو كومبروندر لو ميدسان هذا لو بروفيل تاعو اسكو سي ان ميدسان كي ام ديسكوتي اسكو سي ان ميدسان كي بريفير دي فيزيت كورت Est-ce que c'est un médecin qui aime bien les délégués Est-ce que c'est un médecin qui préfère aller Donc, il sort le soir, vous allez le déranger. Qui compte déranger, qui compte. Il ne va pas vous écouter. Votre visite ne sera pas efficace. Donc, il vaut mieux mettre le médecin toujours à l'aise. Tu sors le soir, le CADO, ou le soir, par exemple, carrément. Tu sors le soir, tu sors le soir. C'est bien de sympathiser avec le médecin. Chauffez le profil Théo. Est-ce que c'est un médecin scientifique? Vous allez parler purement scientifique. Si c'est un médecin, par exemple, liandra la soirée, est-ce que vos produits remboursables, est-ce que vos produits cas, vous allez jouer sur l'aspect pécunier. On va jouer sur l'argent. Par exemple, produit remboursable, vous allez insister sur le côté remboursable. En tout cas, la première visite, ça sera Hestarov. Vous allez vous connaître, discuter, savoir où ça est, etc. ومن بعد لي يوليو لي فيزيت تولي تروح عنده وتتفاهموا وكلش في لي دوزيام تروزيام كاتريام فيزيت كومون بريزونتي لو برودوي اون انتر شي لو ميدسان ديسكوت ان تي بو افيك ان بتيت رمارك ان بتيت بلاك بور لو ماتر اليز ماشي تدخل كي الروبوت تروح ديريكتومون دكتور جي برودوي تا 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 تي خارج راح يتحكى ليك ولا راح يخلق ولا مش هيسمع لك كاريمون دونك سي ان هيومان كوم فو surtout que tu lui t'arrives au chouïa le profil t'aou, s'il aime bien blaguer, rigoler, s'arcer à la sarto, les enfants, etc. Une petite remarque sur le cabinet, vous avez un beau cabinet, ça sent bon, etc. Vous le mettez à l'aise, puis vous savez si votre médecin, par exemple, est scientifique. Vous sortez votre ADV, vous allez parler du produit A, n'allez pas parler de 10 produits, parce que vous choisissez un produit. À chaque visite, vous ferez un autre produit ou là, une autre étude. Vous allez directement partir à l'étude qui intéresse le médecin. Par exemple, il est scientifique, vous allez parler du côté scientifique. Un antibiotique, il est à large spectre, il touche ceci, il touche cela. Notre corticoïde, il est mieux toléré que d'autres. Vous tenez à tous les études scientifiques. Les chevaux purement commerciales, etc., vous allez lui dire, vous allez lui sortir la DV, il y a toujours tous les détails. Notre produit est remboursable comparé aux autres, ou là, il est moins cher que les autres, etc. Bon, ben, il y a le traitement d'objection. Le traitement d'objection, on va l'avoir après. Les objections, c'est quoi? Il y a des vraies objections et de fausses objections. Objections. Sur le médecin, c'est les questions de les médecins. Il y a des questions qui sont légitimes, il y a des questions les surtout qui connaît faire avec toi ou avec le labo tech, on va y revenir après. Et on va conclure la visite par l'action qui m'a connecté dans le bill. On essaie de demander la prescription, lequel par exemple dois-je dire mais arfouche. Docteur, j'espère que vous allez l'essayer sur des patients, vous allez me donner un bon feedback, j'attends votre réponse la prochaine fois inchallah. Faites profiter vos patients, etc. Chaque délégué a son empreinte. Chacun sa technique. Parce que vous avez de meilleures techniques. Voilà, nous lisons les objections. Donc, il y a des objections vraies. Par exemple, est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est remboursable? Est-ce que votre produit Hado, c'est des objections bien, simples et nettes. Mais il y a des objections simples, qui m'a par exemple, votre produit n'est pas remboursé.
Elle est belle, qu'adore-toi par exemple déjà, ou dis adore-helk. Jamais n'axotrib. Jamais gloire, non docteur, ou là, mais la ralbo. Non, il faut toujours, oui docteur, je comprends docteur votre intérêt pour l'aspect pécunier de vos patients. Cependant, docteur, je tiens à vous informer que notre médicament a fait l'objet de deux commissions. Donc, fait un combat que la commission ministérielle a dit, chaque médicament doit passer par deux commissions. Une commission scientifique, une commission commerciale. Un médicament, tu as dit à la première commission scientifique, il te demande une fiche des effets secondaires énormes ou efficace. Puis la deuxième commission commerciale, les rythmes de le remboursement. Est-ce qu'il sert le remboursement? Est-ce qu'il est essentiel? Est-ce qu'il est fait pour les maladies chroniques, etc. Ce qui m'a les compléments alimentaires, le gouvernement tiens, ils estiment que non, ils ne devraient pas être remboursés, c'est du luxe. Donc, un des médicaments, ça, qui connaît, je doute, a mis sur le marché. Ils ne sont pas remboursables, mais après 2, 3, 4 années, ben, ils sont remboursables. Donc, vous allez lui dire qu'il passe par les deux commissions à dos. Inch'Allah, ceci, grâce à votre prescription, cette étape sera fortement accélérée. Votre produit est cher. Par exemple, on va donner un exemple. On a un flacon, un collyre, à 10 millilitres, qui fait 1000 dinars. En général, 10 millilitres, qui fait un gololo, docteur. Toujours rester poli, docteur. Cher par rapport à quoi? C'est par exemple, au concurrent, là, c'est cher pour le patient algérien. 1000 dinars, c'est beaucoup pour lui. Oui, docteur, je comprends votre intérêt, etc. Mais docteur, la santé n'a pas de prix. A dit Beina. C'est au médecin de wa'i les patients. Bli, la santé, on chien sort faire. Ou comment on va lui expliquer que 1000 dinars, enfin, flacon, c'est pas énorme. On va faire un calcul simple. 1000 dinars divisé par 30 jours. Le flacon, ça fera environ 330 dinars. Voilà. Ça fera environ 33 dinars par jour. Ou chihuahua, 33 dinars par jour. Kahwa croissant, c'est plus cher que ça. La qaraaju, 5 000. Allez, qaraaju, il sort tôt. Quand il s'agit de santé, beaucoup ah, c'est beaucoup, c'est énorme. 33 dinars jour, c'est rien du tout. Donc, docteur, les patients, la santé n'a pas de prix. Une autre question aussi, votre produit n'est pas efficace. Saat, un amra, un médecin, qui déteste le labo, mais tu fais, parce que tu as dit que le dégât est incablé. D'accord, tu peux dire que le produit n'est pas efficace chez le docteur, est-ce que vous l'avez utilisé? Oui, bien sûr. Sur combien de patients? Un seul patient. Le produit est mais où est le la physiologie, chaque humain a sa physiologie. Aucun médicament ne fait de. Donc, il faudra qu'elle le teste sur au moins 10 personnes, par exemple, ou là 5 personnes au moins, pour avoir une idée sur l'efficacité du produit. Donc, docteur, je vous invite à l'essayer sur plusieurs produits, sur plusieurs patients, pardon. Elle peut vous dire, je l'ai testé, il n'est pas efficace au collège. Est-ce que c'était pendant une période précise? Le pharmacien, il a un lot périmé, ou là, il a été mal conservé, il y a des médicaments qui doivent être conservé le frigo, le gars, le vendeur à la pharmacie, il est efficace. D'ailleurs, ça c'est un lot. Les colis, beaucoup les hargo. Le médecin dit, ah, votre produit donne des irritations. Ah, et la question numéro 4. Votre produit a causé des irritations. Les patients, c'est pas ça. Alors que normalement, le produit a les irritations. Là, je lui ai posé des questions. Elle m'a dit oui, c'était la semaine passée, j'ai eu plein de patients, tous les patients se plaignent. Je lui ai expliqué que peut-être c'était un lot, c'est le pharmacien. Je lui ai dit d'arrêter la prescription aussi des 10-15 jours après de se remettre à prescrire. D'ailleurs, c'était la deuxième fois qu'elle est là. J'ai essayé cette fois, le pharmacien a dit un autre lot.
وان شاء الله والحمد لله للدرك هاي تكتب يا با دو سوسي دونك il faut toujours faire une enquête essayer de comprendre où est le problème en général la plupart des médicaments ils sont efficaces قليل وين تلقى ميديكامون اللي با افيكاس خلاص surtout les labos algériens اللي فيهم المشكل هذا mais vous pouvez jouer sur d'autres choses votre produit voilà votre corticoïde a augmenté la PU alors la PU c'est pour l'ophtalmo les traitements pour l'ophtalmo c'est la pression intraoculaire les corticoïdes sont connus طلعوا la pression intraoculaire elle peut causer un glaucome donc la réponse est de réduire le nombre d'instillations c'est le traitement c'est tout alors vous êtes une entreprise arabe. هنا قليل وين يديروا هادي لي ميدسان مي اون فوا جي يو سو بروبليم لا سيتي اي جيجيل افيك اون درماتو دخلت بونجور دكتور صافا جو مسوي بريزونتي هضرت على لو لابوراتوار قلت لي نتوما علاش تخدموا مع الخوانه كومون قلت لي تخدموا مع الخوانه قلت لك الخوانه قلت لي وزيت اون انتربريز سعوديان والسعوديه مشهورين بلي هم يخطو سيتي الوقت لاساسينات تاع الجورناليست ترك Vous êtes des assassins, vous travaillez avec les États-Unis, vous avez rien à foutre des Arabes, etc. Bon, ça fait pas professionnel déjà de la part du médecin, mais il faut rester professionnel. Je lui ai répondu tout simplement, docteur, on est une entreprise saoudienne arabe, certes, mais on n'est pas une entreprise qui fabrique des armes ou là, des trucs chimiques ou là, on fabrique des médicaments. C'est des génériques, c'est des produits américains, européens. Ils sont très efficaces. D'ailleurs, je vous invite à les essayer et vous allez être surprise, docteur, par leur efficacité. Ils sont disponibles et tout. On n'a rien à voir avec les problèmes politiques. Et d'ailleurs, je lui ai posé une question. Est-ce que vous utilisez tel produit? C'était un produit français. Elle m'a dit oui. Est-ce qu'il est efficace? Je lui ai dit oui. Vous êtes pourtant les Français. Vous pouvez aussi répondre quel est le problème vous êtes une entreprise arabe quel est le problème nous sommes une multinationale présente dans plusieurs pays on intervient dans plusieurs domaines thérapeutiques on a des produits de qualité vous êtes par exemple un labo algérien donc là on est implanté dans tout le territoire national où les produits ils sont partout ils sont efficaces ils donnent de bons résultats On a des projets d'expansion, par exemple, en Tunisie, etc. On a un grand problème avec les délégués médicaux, c'est les prises en charge. Alors, les prises en charge, c'est quoi? Normalement, le laboratoire fait une rotation. Des médecins A, B, des C ou D, etc. Et qui connaît un médecin qui ne prescrit pas l'AS, vous ne pourrez pas investir fait un médecin qui ne prescrit même pas même laboratoire c'est à dire qu'il dit parce que c'est un investissement le délégué sur l'endo un budget c'est les prises en charge il dit que temps le budget il faut obtenir un résultat donc vous me prenez en charge puis je prescris je comprends docteur votre intérêt pour les FMC c'est les formations médicales continues on a les congrès Toutefois, je tiens à vous souligner que notre approche du partenariat repose sur le triple gagnant. Parce que là, qui se dit partenariat, qui se dit formation médicale continue, qui se dit que c'est un partenariat entre vous. On dit que notre approche du partenariat repose sur le triple gagnant. Patient, médecin, JP, c'est le laboratoire. Et laboratoire. Donc, dans ce sens, nous vous invitons à faire profiter vos patients des avantages de nos produits. Et cela vous permettra de développer votre propre expérience sur nos produits et les portes restent ouvertes. Donc, vous l'incitez à prescrire d'abord avant de l'emmener en prise en charge. Parce que là, quand il y a des prises en charge, on va dire qu'ils ne vous reçoivent même pas. Donc, vaut mieux garantir que vous aurez un partenariat avec votre médecin. Peut-être faire moi le médecin, il va prescrire, il connaît le produit. Et pourquoi pas, à côté de la prise en charge, vous aurez une rotation. Que vous avez pris tel médecin et pas moi. Allez. Alors, vous répondez aussi pas. On fait une rotation, docteur. Toujours pas, je comprends votre intérêt, etc. On fait une rotation, docteur.
cette année, si vous n'êtes pas parti avec nous, on a pris peut-être quelqu'un d'autre, mais l'année prochaine, Inch'Allah, vous irez avec nous, vous serez avec nous. Mais en attendant, docteur, voilà, aouni docteur, tel produit. Inch'Allah, je vous oublierai pas l'année prochaine, vous serez en tête de liste, etc. Vous avez une politique très agressive, c'est donnant-donnant. Bon, on ne va pas se mentir entre nous. Dernier hadith, c'est toujours donnant-donnant. On n'a rien sans rien. Ouais, demain, il dit que cadeau voyage ou la cadeau que tu as. J'ai mis tête de chef de terre et que billet d'avion. Donc, c'est la même chose pour les laboratoires. Les laboratoires, s'il a créé un produit, ce n'est pas pour les beaux yeux du médecin, c'est pour vendre. Alors, pour vendre, le médecin doit prescrire. Et donc, c'est donnant-donnant. On va pas se mentir. Mais on va essayer d'être un peu politicien, on va être gentil. D'accord, docteur, nous avons une politique de partenariat où là, nous avons une politique de rotation. On emmène les médecins à l'Aounouna. Aounouna, docteur, et l'année prochaine, ou la Inch'Allah, on vous oubliera pas. Triple gagnant, faites profiter vos patients et comme ça, Inch'Allah, on sera de bons partenaires. Il y a un congrès le mois prochain. Et moi, il va vous booster les ventes. On bâtira le congrès. On me dit que c'est bête. On me les médecins. Alors, vaut mieux l'abdi. Permettez-moi, docteur, de vous informer que notre politique de prise en charge obéit à des critères bien particuliers. Dans la période de l'événement, ne doit pas être inférieure à 6 mois. Donc, le Kenhab congrès, 6 mois. Par exemple, il y a un congrès à MLJ. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Je vais vous proposer auprès de nos supérieurs. Inch'Allah, on fait la liste. Même médecin Saounèche avec les prescriptions, Aounona, Inch'Allah, Hankounoumak. Une question très fréquente qu'on va entendre souvent avec les médecins. Vous êtes ingénierique ou là, votre produit est ingénierique, je préfère les princeps, je préfère les grands labos, je préfère AK. Donc, à 2020, 2019, c'est devenu une tendance. Tous les grands labos, oui docteur, on est un générique, mais je vous avoue que la tendance mondiale des multinationales va vers les génériques. Pfizer, Novartis, Sanofi, ou beaucoup les génériques. Elle est. Parce qu'un produit, il peut coûter des millions d'euros pour être développé. On va dédier un petit labo, il va le génériquer, ou il recrute de bons délégués, il va concurrencer le grand labo. Donc, tous les grands labos, même, ils font toujours la recherche, le développement, etc. Mais ils génériquent d'autres molécules pour agrandir leur gamme, pour vendre. Donc, c'est devenu une tendance. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'efficacité du produit. Et tant que vous êtes satisfait de votre produit, vous pourrez convaincre le médecin et le médecin sera convaincu et pourra prescrire et changer classe la prescription. La dernière question, c'est propre à mon laboratoire. On va l'éviter pour le moment. Pour conclure, on va parler des avantages et des inconvénients de notre métier. Un des grands avantages, Inès Boukouli, c'est un bon salaire. Oui, vous avez un bon salaire, mais vous avez beaucoup de dépenses. Parce que Haxbet fait un hôtel, vous avez beaucoup de déplacements, l'entretien de la voiture qui coûte énormément. Mais ça va. Par rapport à Wadi une poste, alhamdoulilah, vous êtes bien payé. Deuxième point très important, la capacité de s'organiser tout seul. C'est ce qui est bien. La délégation, c'est que notre sabah, par exemple, si vous êtes matinal, 7 h, vous terminez à 15 h, vous rentrez à 15 h, vous terminez à 14 h, vous rentrez à 14 h. Bon, il y a des labos qui surveillent les délégués, qui préfèrent que le délégué prend son temps. Mais si tu as le médecin, ça ne fait pas professionnel. Votre message ne sera pas efficace. Et donc, les résultats vont baisser. Dès que le superviseur va voir des résultats en baisse, il va commencer à surveiller le délégué.
C'est sûr que ce délégué ne fait pas du bon travail. Il gère trop bkri, il بدا يعس عليك, il بدا يعسك, il بدا يحط عليك, il بدا يقلقك. تبدا la pression, il بدا le stress. Donc vaut mieux être il faut s'organiser, faire un équilibre. Tu peux par exemple 9h, 14h, 15h qui se relâche, c'est bien, c'est on bête le changement. Ce qui est bien fait le travail tana, نهارك في جيج, نهارك في ميلا, نهارك في سكيكدا, كل مرة راك في بلاصة. Il y a les réunions, ساعات réunion في أجي, ساعات réunion هنا, ساعات il y a des congrès. يبعتك انت اللي مع le médecin accompagnateur. D'ailleurs, je vais vous parler des congrès. Comment ça se passe? Par exemple, vous prenez en charge 3-4 médecins. Il y a des labos qui n'envoient que le superviseur. Il y a des labos qui envoient tous les délégués. Trois accompagnateurs, ça veut dire que vous allez organiser une conférence, tu ouvres les conférenciers, vous réservez les tables, les chambres. C'est-à-dire que le délégué fait les prises en charge. Que ce soit en Algérie ou là, à l'étranger. Le dîner gala, etc. C'est l'organisation. Et en même temps, etc. Il y a aussi les primes. En fin d'année, vous avez atteint vos objectifs. Qui t'aide les objectifs, vous avez des primes. Ça peut être un voyage de motivation. Ça peut être Sword. Il y a des labos, les primes. Tout labo qui fait. Ça dépend. Les inconvénients de notre travail, c'est beaucoup de déplacements. Surtout les gens qui ont femmes avec des enfants, surtout jeunes, change chouïa. Avec Jijil, tu peux être fait Jijil, déplacement, tu peux faire le sabah, ça a été tout le khidmat, tu peux faire le khamsa, ça a été tout le khamsa, ça a été tout le 20h, 21h. Donc, c'est énormément de déplacement, c'est une grande responsabilité, il faut l'abdi de l'hsebo. La pression et le stress, ça dépend des labos aussi. Il y a des labos, il y a énormément de pression, énormément de stress, toujours vendre plus, toujours plus, toujours plus. Ou là, il chauffe que je suis un mec, je suis un ou là, ou là, il y a une pression énorme. Ça dépend aussi des labos, où il n'y a pas de pression. Il y a des labos, mais quand je déplace, moi, je suis un peu. Mais le salaire, c'est sûr, il va avec. Instabilité. Là, c'est un métier qu'on va, on va dire on peut pas le faire toute sa vie. Donc c'est quand tu as fait la bouffrite, il sera un problème. Par exemple, il y a eu le problème de l'importation qui a été arrêté. Tous les labos devaient investir en Algérie avec un partenaire algérien. Qu'un des labos il dit que mais je me suis ils ont plié bagages. Il y avait le laboratoire Alcan, il y a eu plein de laboratoires, ils ont plié bagages. Les délégués se retrouvent au chômage du jour au lendemain. Il y a une petite indemnité, tu as 50 ou 60 millions. Et il y a un peu de gâchement. Mais à l'heure, déjà, il y a eu beaucoup de chômeurs qui ont eu l'indemnité, qui ont eu même pas l'indemnité. Il y a eu pas mal de problèmes. Donc, c'est un boulot, on va dire, qui n'est pas vraiment stable. Il y a des labos vraiment très stables qui m'ont traîné avec Pfizer ou la Sanofi. Mais il y a que les résultats de la guerre, 2-3 années sans atteindre ses objectifs, il y a des années que c'est le mal. Donc, ce n'est pas vraiment très, très stable comme boulot. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à te photo. Merci docteur Belkhiri pour cette présentation qui était vraiment sympa et bénéfique, surtout les conseils que vous avez donnés. Merci. Je donne la parole à nos participants pour poser leurs questions, soit par le live Facebook ou dans la conversation ici Zoom. Sinon, vous pouvez tout simplement ouvrir vos micros et intervenir avec Raouf. Voilà, marhaba. Aïe, Ammar. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette formation vous aura plu, vous sera bénéfique.
Vous avez mon mail. Si vous avez des questions ou là, même après, n'hésitez pas. Je ferai le maximum pour répondre à n'importe quel moment. Inch'Allah, merci. Raouf, apparemment, il y a le rapport journalier. Oui, Manal Ben Zerwell. Oui, très bonne question. Le rapport journalier, il diffère des selon les laboratoires. Qui mène le laboratoire TAI, c'est un fichier Excel, avec le tableau que vous allez remplir, pardon, avec les noms des médecins, nom, prénom, secteur, par exemple, en Bouaké, est-ce que je mène spécialité ophtalmo, dermato, gynéco, etc. Est-ce que c'est un cabinet ou là, est-ce que privé ou la public, le potentiel TAO, puis résultat de la visite. En bref, vous écrivez par exemple, j'ai dit ceci, il m'a dit cela, il est content, est-ce qu'il prescrit, il ne prescrit pas. Puis il y a des labos, c'est une synthèse. Vous écrivez quelques mots, les produits, est-ce qu'ils sont disponibles, pas disponibles, ce que vous avez vu, les pharmacies, est-ce que vous avez dit aux médecins, pardon, ce qu'ils prescrivent, est-ce qu'ils prescrivent pas, pourquoi ils ne prescrivent pas, s'il y a un problème. D'ailleurs, j'ai oublié de parler des problèmes. Si vous avez un problème avec un médecin, là, il faut informer son supérieur. Par exemple, le médecin d'Akmishtik, personnellement, l'un de Mouchkoul donc, il dit le superviseur Mouchkoul un de médecin. Il peut donner une bonne image du laboratoire et du coup, vous aurez une bonne image Mouchkoul. Il y a un bzaf, le supérieur Mouchkoul. A dit d'ailleurs. Parlons, docteur Belkhiri, des problèmes. Qu'est toujours le problème des conflits bien les délégués? Le conflit, Qui bon, fâche le. Oui. oui, il faut d'abord rester professionnel. Quel est délégué les Mac le labo? Ça, il y a une certaine concurrence, bah, c'est le poste de superviseur ou là, mais il faut toujours rester correct et professionnel. Le collègue il dit que des vaut mieux informer son supérieur ou là lui parler directement et rester toujours professionnel. Il faut pas entrer dans un conflit parce que tous les autres sont à la badakom ou fizo. Oui. Mais qui connaît par exemple un conflit bien ou bien le concurrent, c'est très courant, mais il faut toujours rester professionnel. Par exemple, le médecin il dit au délégué avec fille ou fille ou fille, c'est qui est trop vous corrigez. Par exemple, le produit ne sont pas efficaces ou là, ou là, ou le docteur, vous avez essayé nos produits, vous savez qu'ils sont très efficaces. Vous êtes l'ADV, vous êtes les études, vous lui prouvez que vous avez un très bon produit, vous restez toujours professionnel. Le médecin il va remarquer, vous êtes professionnel, vous parlez que de produits. Voilà. Oui, ou ثاني كاين اللي يروح يخدم عند une entreprise concurrente. في الانتروتيا يمدوا له دي كيستيون على الجروب اللي كان يخدم فيها ويطيح هو في لو بياج. Non, d'abord, قادر تو تخدم مع لابو كونكورون مي في لي كونترا ان جينيرال لورسكو فو سيني فوتر كونترا يا توجور لا كلوز بلي ما عندكش حق تخدم في ان لابو كونكورون 2 ans ou la 3 ans chaque labo qui fait qui سقسيك الاخر على دي كيستيون على لابو تاعك القديم تقول له اون افي ان ادفي اون افي دي زيتود خدمنا بهم لي زيتود دوك ساعتهم سي دي زيتود قدم ولا سي دي زيتود كي نيكزيست بلو ولا الاخر سي دي زيتود ريسونت مي تاع تال بروفيسور كي سوتيان فوتر لابو دونك فو لي ديت جو سوي سور كو فو اوسي فو افي دي زيتود افيك ليكيل اون فا بريزونتي avec lesquels je vais être convaincant ou bien nord les médecins expo les produits comme ou les produits en plus j'ai un avantage je connais très bien la concurrence parce que continuer de marre donc c'est un point pour vous voilà D'accord. Donc, une question de docteur Bolossé. oui. Il a dit, vous avez parlé au début des 4 P, oui, dans le marketing. C'est quoi les 4 P et comment on l'utilise? On les utilise. Alors, les 4P, le marketing, c'est le délégué, mais c'est beaucoup plus le chef de produit. Product, promote, la promotion, le produit, comment le placer, comment où le vendre,
à qui le vendre هادو راح يخدم بهم الاخر لو شيف دو برودوي باسكو هو اللي يخدم الماركتينغ بوكو بلوس راح سي لوي كي فا شواز باغ اكزومبل ملتي ناسيونال عندها 30 برودوي واش من برودوي ندخلوا للجزائر دونك يا اون ايتود افير ليتود هادي راح ماشي حيديرها لو ديليغي سي با فو دافير سي او شيف دو برودوي بلوس لو ديريكتور مع بعض ils vont faire une prospection sur le terrain les besoins du marché algérien ماكش حجيب ان برودوي اللي ميمشيش لهنا ولا اللي لا مالادي تاعو قليله هنا بازوم ايبولا مش حنجيبو دواء تاع ايبولا في الجزائر ان بلوس دو سا يشوف لو برودوي اللي يساعد لو بري تاعو الجزائر مش حنجيب ان برودوي يدير مليون اي فا اتر تري مال فوندو دونك لي 4 بي سي بوكو بلوس بور لي شيف دو برودوي و دايور ميم لي لابو يفون فو فورمي chaque labo aider les entretiens تعجبو يقبلك il va vous appeler pour une formation à les produits تاعهم ou une formation à le marketing et tout على حساب واش غتخدم انت كومبوست oui. voilà. une suite de la question du rapport journalier de Manel oui à chaque visite on demande le cachet هادي ثاني سا ديبون دي لابو كاين لابو يقول لك كاشي وصور يعطيك ورقه هو يقول لك لازم 200 كاشي لك فيها وصورها لي كاين اللي يقول لك كاشي لي في كارني برك وصورها لي وبعثها لي كاين كيما انا لو لابو تاعي دوموند لي كون لابو جينيرال دوموند با لي كاشي يقول لك جوست في لو رابور نو برينون اكسيتيرا كيف يدوموند بلي راه قاعد تشوف لي ميتسان قادر هو يعيط لو ميتسان قادر يتلاقاه كون يفيق بك مش قاعد تخدم سي لو رونفوا ديريكت شغل يفو يفو في كونفيونس jusqu'à preuve du contraire. Ou qu'un des laboratoires, خويا يخدم بالكاشي لازم تكاشي لك ou qu'un اللي يتريش يدير لو كارني يقول له الطبيب كاشي لي 6 ou 7 fois à chaque fois يصورها ويبعثها. D'accord. Donc je vais continuer les questions de Manel puis je vais revenir oui. aux autres questions. Gatlik, deuxième question, est-ce que oui. on est censé faire des fiches médecins et les remettre au laboratoire? Les fiches médecins, non. Mais قادر يقول لك دير لي الاخر un data médecin avec l'Excel vous allez faire un tableau حط فيه tous les médecins اللي عندك et vous allez les classer par secteur potentiel كاين des médecins potentiel A en général c'est فوق 40 patients potentiel B c'est entre 20 et 40 et potentiel C اللي عنده 2 3 patients jour وكاين لي بوتونسييل واش معناتها اسكو يكتب لك بزاف ولا لا هادوك ثاني فو لي كلاسي فو فات هكا اون فيش كبيره كو فو ميتي ا جور ا شاك فوا كي ان نوفو ميدسان ولا ان ميدسان كي شانج دو سيكتور مي فو لا فات كون سول فوا داكور قال ثاني اسكو لو كيلومتراج دو سا فواتور اي بي Oui, bon, les laboratoires, comment ça se passe? Il y a le salaire de base. Puis, il y a l'indemnité véhicule. Il y a des labos qui mettent des automobiles ou qui te disent automobile, je crois que tu crées hello. C'est une indemnité véhicule. Donc, vous avez salaire de base plus indemnité véhicule qui sont versés directement. Plus, vous avez la note de frais. La note de frais, ça diffère des labos. Quel est le kilométrage bain d'ar ou quel est la note de frais? Note de frais, c'est le nombre de kilomètres. Tu sais, le flan note de frais, par exemple, dimanche, Khdemt, Mbouaké. Constantine, Mbouaké, c'est 110 kilomètres. 110 kilomètres, tu as entre parenthèses, tout le monde fait 5 dinars à le kilomètre, 10, 15 dinars à le kilomètre. Donc, tu sais, le total. Tu as mis la fiche chaque mois. Ou tu as le superviseur, tu as signé et tout. ويسلكوك على حساب واش مشيت لومو هذاك كاين فيها الكيلومتراج وكاين فيها ثاني لو باني اللي هو الغداء تاعك على حساب لي جور اللي خدمت هادو هما لو باني والكيلومتراج داكور اون اوتر كيسيون كي دوموند دو فو كيسيون اخري لو بوين دي بريز ان شارج بوفي فو ريبيتي جي راتي سويت ا لا كونيكسيون Alors, les points de prise en charge. Ouais, le point de prise en charge. Les prises en charge, en général, c'est quoi? C'est des formations pour les médecins. Ils diront à l'étranger ou là, en Algérie. C'est des formations médicales continues. Les médecins qui font
déjà en prise en charge. Ça diffère des labos aussi. Quand un laboratoire, il qui explique des prises en charge, qui m'explique je m'attends. Quand ils font une rotation, ils ont les médecins beaucoup chaque année, 2, 3, 4, 5, selon le budget. Le budget, c'est au délégué de gérer ça. Par exemple, le superviseur TAC a un budget de 4 inscriptions ou 4 hébergements pour tel événement. Et c'est à vous d'assumer vos choix. Donc, là, par exemple, les 4 médecins en Boaké, vous allez devoir vous justifier à l'aide des tomes ou bien des chauffer le résultat. Est-ce qu'ils prescrivent mieux? Est-ce que ça a donné des résultats ou pas? Donc, les prises en charge, c'est assez délicat, ou surtout la période qui s'est des médecins, c'est en train de dit le médecin. Donc, il faut rester professionnel et lui expliquer que vous faites une rotation et vous l'incitez aussi à prescrire, à vous aider pour que la prochaine fois, c'est Inch'Allah. Voilà. Merci. Une question le live. Bonjour docteur, s'il vous plaît, quelle est la démarche à suivre pour qu'un labo participe, aide, finance un projet? Thèse DMV. J'aimerais entrer en doctorat avec un firme pour échographe Ah oui. Avec un firme pour échographe portatif pour ma thèse 2022. Et merci. J'ai Alors, pas. j'ai pas bien compris la Oui. question. Quelle est la démarche à suivre pour qu'un labo participe, aide ou finance un projet de thèse? Oui, bon, pour qu'un labo finance n'importe quel événement, que ce soit un congrès ou là un projet ou là, le labo il a de l'intérêt en général, c'est une pub. Par exemple, lorsqu'un labo finance un congrès, alors, le congrès Hadek, il y a d'autres. Par exemple, là, il y a l'ophtalmo, il y a les produits, c'est le labo Hadek. Là, il donne des exemples, le labo Hadek, ils mettent des fiches à le labo, ils distribuent les cartables et tout ça avec le nom du labo. Donc, pour que le laboratoire accepte de financer un événement ou un projet, le projet Hadek fait faillite, c'est le labo. Comment contacter? Vous allez devoir chercher le superviseur, c'est le labo Hadek. Le superviseur, il a l'information, le directeur marketing ou le chef de produit, il chauffe si ça vaut le coup ou pas. Donc, vous pouvez, par exemple, sur Facebook, demander à quelqu'un de déléguer lire de mots tel labo, lequel vous avez un labo précis en tête, ou le superviseur Shkoun, ou là, le délégué comme l'information. Mais en général, les icônes. Le même thème que le labo l'ophtalmo, le projet de ophtalmo, etc. Voilà. D'accord. Une autre question. Ce qui concerne les visites hors wilaya, il y a des labos qui payent directement les hôtels, Ouais. etc. Et il y a ceux qui ne payent pas. Mais après, il faut les factures. Donc, oui, il y a des labos. Donc, ça, c'est différent selon les labos. Donc, qui traitent hors wilaya. En général, hors wilaya, quel est le laboratoire quand ça dépasse 100 km, c'est hors résidence, on dit HR. Qui marque le labo, qu'un des labos, il 150 km. Enfin, le HR TAC, en général, c'est 2, 3 jours. Traitement fait. Donc, vous allez passer des nuits, des hôtels. Kane, des laboratoires. Il y a TAC, l'hôtel. Un prix fixe, bien. Le laboratoire, par exemple, 600 000 ou 700 000, c'est à l'hôtel. Vous avez besoin de l'hôtel, vous avez besoin de l'hôtel, c'est à vous de gérer. C'est à vous de gérer. Quand des laboratoires, ils disent que j'ai le bon. Mais dans l'hôtel, vous avez besoin de l'hôtel, c'est le bon. Ou quand ils disent que vous avez salaire. Ils disent que vous avez un salaire temps, vous avez le kilométrage, ou tout. Voilà. D'accord. Gatlik aussi, de même, un délégué est censé faire une seule wilaya par mois. Non, non. Selon les labos, qui m'en a par exemple le mois, j'ai 3, 6, j'ai 12 wilayas par mois.
à faire. Selon l'objectif, le programme TAC. C'est un plan de tournée, on appelle ça un plan de tournée. Chaque mois, on envoie au superviseur le plan de tournée. Je vous donne un exemple. Le plan de tournée Tayana, une semaine, nous allons faire Constantine Gijel, ou une semaine, nous allons faire Mbouaké, Mbaïda, Mlila, Mila, Ferjiwash, Rome, etc. Donc, on nous prend semaine après semaine, semaine après semaine. كاين اللي يخدم الناس مشغول لك شاك 15 جور زيد نعاود نقول اللي عندهم ميم ميدسان كاين اللي عندهم اون روتاسيون تاع ان موا دونك يخدم اون ولايه باغ اكزومبل باغ سومان ولا دو ولايه باغ سومان حتى لو موا بروشان بيزيد يعاودهم لي ولايه هذوك وكاين اللي تلقاهم يخدموا غير في كونستانتين ويبقى يدور على الميدسان تاعو لهنا كل لابو كيفاه D'accord. Une question de Ammar. Ammar, s'il vous plaît, avant d'écrire la question, je n'ai pas bien saisi. Quelque parlant Kaba, comment on négocie notre, je sais pas, après un entretien? Parce qu'il y a des labos qui proposent des salaires vraiment minimes. Oui, comment Ah oui. parlons de salaire, voilà. Oui. Premier entretien, on parle jamais de salaire. Même qui dit que si vous avez des questions, n'allez pas lui demander le salaire, etc. On laisse toujours pour le deuxième entretien. Le deuxième entretien, lorsqu'on vous appelle, c'est en général pour discuter de votre salaire, du dossier à fournir, carte jaune, etc. S'il vous pose la question, quelles sont vos intentions salariales? بزاف يقولوا انا زوج ملايين يكفيوني فو جامي تابي تري با باسكو سينو قاعد يقول لك هيا داكور يركروتيك يدمر عليك يعطيك زوج ملايين في الشهر وانت المصاريف تاعك كي ديباس لارجمون زوج ملايين ان سالير دان ديليغي لو سالير دو باز جو بارل با دي زاندمنيتي كلش سي اونتخ 3 ملايين ونص و 6 ملايين هذا لو سالير دو باز بي يا لاندمنيتي فيكول بي يا لا نوت دو فري on négocie. Vous lui demandez, vous offrez combien? En général, maître, je négocie, surtout qu'ils sont sans expérience, je dis. Il y a un homme d'expérience qui voudrait négocier un salaire plus élevé. Ils sont sans expérience, il vous dit, voilà votre salaire. Par exemple, salaire de base, il vous dit qu'il y a un salaire minime. Il vous dit qu'il y a 1,5 million sur les zouj, mais l'indemnité, tout le monde va vous dire qu'il y a 4 millions de char. Sincèrement, vous lui dites, monsieur, sincèrement, 4 millions de char, ça ne va même pas couvrir mes frais. Parce qu'il faut faire dire حسابك اللي كانت بات في لوتيل ou la voiture اللي كان عندك une voiture essence c'est presque 2500 دينار d'essence par semaine راه نحط مليون انا essence ونزيد حق الغداء تاعي وحق الشيء راح اج ديباس لي 2 ملايين مصاريف كيعطيني 4 ملايين التعب هذاك بكل بان نخبي 2 ملايين سافو با الكو دونك فو ميو كو سا سوا ان سالير من على حساب لي سيكتور لكن فو افي كو كونستانتين 3 millions et demi, 4 millions comme salaire de base, ça va. Si vous avez beaucoup de secteurs et vous vous déplacez, c'est 5 millions, 6 millions salaire de base. Plus l'indemnité véhicule, c'est négociable. C'est en général entre 3 et 6 millions pour l'indemnité véhicule. Qu'un lictar, les gants, la bourglasse. On peut être la note de frais. S'il y a une note de frais, d'accord. هاو تسمى يسلك لك ليسونس المبات شي وكلش تولي لو سالير دو باز راهي هذاك هو سلك تصح صافي بصح الا كان يا با دو نوت دو فري لو سالير دو باز بلس لاندمنيتي فيكول مع بعض فو ميو كيل ديباس لي 10 مليون فوالا D'accord. Donc, par cela, on a répondu à la question de Manel. Une autre question. Pour ouais l'objectif et le plan de tournée, ouais c'est à toi de le faire ou bien il est déjà tracé? Bon, je mets objectif. Lequel les objectifs t'as les médicaments, bien sûr, c'est le laboratoire qui les a. Il vous dit qu'un des objectifs chaque année, début d'année, vous avez une réunion. La réunion dit qu'avec les objectifs t'as, il vous dit que par exemple, le docteur Menel, vous avez un objectif de 100 000 euros. Ou là, ou plus, qu'un les plus ou là qu'un les il y a euros, il y a nombre de boîtes. Il vous dit que vous avez quatre produits. Que le produit finalisme يتباعوا 40 000 boîtes, le خوارزمي يتباعوا 50 000 boîtes. هذا هو l'objectif تاعك, تسني عليه, لازم fin d'année يكونوا les objectifs atteints. Pour le plan de tournée, يقدر يتبدل, chaque labo تاني كيفاه, كاين labo يقول لك تفاهم مع le binôme تاعك, تخدموا une semaine بين semaine, كاين laboratoire يقول لك دير لي le même plan tourné اللي يبقى يتعاود, لكن par exemple,
شوف درك انا ميلا لا سمان بروشان مش عايزين نحط له ميلا، لا سمان بروشان راح نخدم في جيجل، لا سمان اللي وراها بنزين نحط له ميلا. دونك سي ان بلون تورني بلوز او موان لو ميم اللي يتعاود، وشي تقدر تبدل بازون ميلا اللي درتها ديمونش تقدر المره الجايه نحطها مغدي، يتبدل سولون لي بيزوان تاع لو ديليغي وتاع لو ميدسان. كاين بازون ميدسان اللي ما يخدمش لو ديمونش في ميلا، على هنشقه باه ما نشوفوش. دونك ندير في لو بلون دو تورني تاعي لاندي سي بلو رونتابل. وتتفاهم مع لو سوبرفيزور تاعك، لا عندك ان امباشمون باغ اكزومبل، ولا عندك مشكل في الطوموبيل تقدر تتفاهم معاه تقول له اليوم نخدم قسم طينا برك وغدوه اللي نروح اشهر اكسيتيرا. وعلى قد ما تكون انت رابيد وخدام وتزيد وتدير لي زوبجيكتيف تاعك تخلصهم قبل الوقت، يمدوا لك دي بريم ولا كيف كيف؟ وي وي انفان سا ديبون دي لابو، كاين دي لابوراتوار ما يمدش لي بريم، يا لي بتي لابو كي دون با، يا دي غران لابو انفان 90% دي لابو يمدوا لي بريم. يقول لك باغ اكزومبل عندك ان اوبجيكتيف تاع 100000 يورو، vous atteignez les 100000 euros en 8 mois ou en 9 mois. On peut avoir beaucoup de bonus. Là, le hack, par exemple, 120000 euros. 20000 euros, dès que les aides, il y a un pourcentage. Ça dépend du pourcentage à la hausse des labos. Il y a des labos qui ont une prime annuelle de 5-10 millions. C'est motivant. Il y a des laboratoires qui ont des primes de 40-50 millions. Il y a des voyages de motivation. هو نورمالمون فويس دو موتيفاسيون سي بو موتيفي لي ديليغي، مي قاعدين يمدو فيهم لي ا سو كي زاتان لوغ اوبجيكتيف، يديك البرازيل ولا يديك الامريكان ولا تحويسه. مليح هادي صح موتيفون. وي معنا قالت فيو لا كريز سانيتير كوفيد 19 اسكو لي لابو ريكروت. اون ا انتوندو با مال دو ديليغي اون كونجي سون سولد. Oui, il y a eu beaucoup de labos, surtout les labos algériens. Ils ont les délégués en congé annuel, ou peut-être en congé annuel, ils ont en congé sans solde. Mais en général, un labo sérieux, il y a eu le choix le délégué. Il y a trois sans solde. Mais les multinationales, beaucoup, c'était télétravail. On n'a pas eu de sans solde. Parce que canonien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il y a eu sans solde. Il y a le congé annuel, il peut t'imposer un congé annuel fait un temps précis, mais congé sans solde, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont été en train comme soir, et qui ont été en train de se faire comme dans le frigo. Ça ne se fait pas. Oui, exactement. Donc, il y a les grands labos, beaucoup c'était télétravail, le téléphone, avec les médecins pour garder un contact avec les pharmaciens pour connaître la disponibilité. On a la plupart des labos ont repris avec les précautions nécessaires. On aille tous les médecins, je vous les reçoivent, ceux qui ne reçoivent pas. On chauffe, c'est des petites visites courtes. Moi, l'abdi khadem, il fait le maximum au class. Donc, la question, c'est à moi, je te souhaite. Comment vous faites avec des médecins qui n'acceptent pas les délégués médicaux, surtout s'ils ont un grand potentiel? Alors, pour les médecins qui ne reçoivent pas, que ce soit hors Covid ou hors Covid, tu peux te dire à l'infirmière, est-ce qu'il ne reçoit pas les délégués en général, beaucoup, ou là, est-ce qu'il ne me reçoit pas un abark? Ou est-ce qu'il ne reçoit pas le labo tiré barque? Il dit que par exemple, quand il dit qu'il ne reçoit aucun délégué, il a la galbe. Mais عندك ما دير. تقدر par exemple تحوس على معرفة. تقدر تستناه برا. تلاقيه على برا. هي حكي مسلك القهوة. تسمpathize معه. تتفهم معه. هنا تولي شغل un investissement personnel. Est-ce que le délégué vraiment حاب يوصل وحاب يخدم؟ يقدر فريمون يقعد للميدسان هذا كي يتبعو لو بروبوز كلكو شوز ليش تا ما يدخلكش تروح لفامي تقولها حاب نبروبوزي له بريزون شارج كوميم تربحو دون فاسون او دون اوتر تلقى توجور اون فاي بات تدخل عنده باغ كونتر اللي كان قالت لك ما يدخلش لو لابو تاعكم برك تما عنده مشكل مع لو لابو تاعكم Tu sais de comprendre, ma l'infirmière, ben, c'est à gueule à elle, est-ce qu'elle est belle, que chez Coluche, ou la gueule à essayer, gueulez-le, habille-le, mec, ben, je suis sûr que On essaie toujours de résoudre le problème. Lekin, ma kablikch, t'as été le superviseur. De gueule, ha, ou ma rédrèche la botana, il essaye d'y mac. Dima, dima, le médecin qui chauffe, le directeur ou la directeur régional, déjà, il peut aller de l'eau, j'ai écrit comme de l'eau.
qui d'ochlo fi zouj, vous pouvez résoudre le problème, comprendre quel est le problème et le résoudre en même temps. Ou les cannes sont au milieu de la classe, ou que les chalagal. Vous essayez de laisser par exemple les fiches poso à l'infirmière, il aura quand même une idée des produits les cannes ou qu'a de l'exublic. Donc, Manel s'interroge sur le travail en binôme. Normalement, on est divisé chacun son secteur. Non, ça dépend. Qui m'a par exemple le laboratoire Tiaï, on a le binôme Tiaï, on a le même secteur, les mêmes médecins. Ou chez Kafé les produits. Qui m'a par exemple, on a 10 produits. On a 5 hakma mena ou 5 hakma tamhiya. Et en même temps, on s'entraide. Par exemple, هي كي تروح للجيجل قالت لك انا لقيت البرودوي تاعي ماشي مش قادر يمشي خلاص elle peut parler de mon produit تفكر le médecin عليه et je fais la même chose on بعد lorsqu'il y a eu des problèmes l'importation نقصت كلش on avait les mêmes produits les mêmes médecins donc c'était du tapage كسروا له راسه المدسان كل مره روحوا له هضر له على le même produit le même produit donc يبقى le produit ديما يدور في راسه donc il te فكرك ولكن ما يديروا حايد يخليوا بزاف لي فيش لي فلاير فوق طابله في ستيلو في شي دونك ديما يبقى يتفكرك وكاين لي قاسمين لي سيكتور كاين لي حاكمين لو ميم برودوي واحد يخدم ميلا باغ اكزومبل فرجيوا واحد يخدم امبواقي سي سولون لي لابو المهم ان توكا لي بينوم لازم ديما تتفاهم معاه باش تقدر تمشي للخدمه فوالا Manel toujours, est-ce que le même salaire d'un délégué, niveau licence biologie ou master biologie, ou l'anzidlanaya vétérinaire, est-ce que Koulandna a le même salaire? Oui, que ce soit un médecin, que ce soit un prof en médecine, qui est le délégué, en général, les délégués, je parle sans expérience, qui est beaucoup, c'est le salaire, c'est le même salaire. On بعد si vous avez de l'expérience في notre laboratoire par exemple خدمت انا هنا نروح انا في deuxième laboratoire نقولوا laboratoire الاول كان يمد لي طون انا ماذا بين ديك سر ولا ندي le même salaire avec de meilleures conditions de travail je peux négocier mon salaire je peux avoir un meilleur salaire mais يهمش la formation تاعك est-ce que compte biologiste ou est-ce compte vétérinaire ou la compte حتى un prof de médecine parce que هما واش يهمهم c'est qu'un délégué يبيع له الدواء ما يهمش واش خدم ولا واش قرا من قبل Voilà. D'accord. Une autre question. Un bon CV dans un entretien, qu'est-ce qu'il doit contenir? Un bon CV, d'abord, il doit être lisible, il doit être clair. Le recruteur chauffe, il est joli, avec de belles couleurs, avec une belle photo, de préférence une photo nette, avec une tenue classique. Par exemple, Cora avec chemise, cravate, ebnet, tenue classique. Le titre du CV, toujours, c'est le poste demandé. Les informations. Mais c'est n'importe quoi. Qui m'a par exemple les loisirs, qui a un style le foot, un style Barça, ou là. Ça n'intéresse pas le recruteur. Pas du tout. Ou là, la musique, ou là, ce qui l'intéresse. Si vous avez fait par exemple un commerce, si vous avez travaillé dans une pharmacie, les loisirs, par exemple, des trucs scientifiques, je m'intéresse aux formations scientifiques, je m'intéresse à ceci. Oui, j'ai des choses, mais je suis n'importe quoi. Voilà, exactement. C'est pas n'importe quoi. On peut être les formations au collège. C'est chez leaders comme formation, même le diplôme, si vous avez fait d'autres diplômes, si vous avez les petites formations de 3 jours, 4 jours, c'est un plus. Malgré les formations qui m'a dit que Hachmi, les formations déléguées médicales, mais ça refouche bien en classe, parce qu'ils savent que la plupart, 90%, mais les formations, en général, c'est le laboratoire qui forme leurs délégués. Qui a été quoi et recruter ou former quoi pour que vous soyez optimal. Donc, le can y a aussi la wahed me former au collège ou y a aussi la wahed ando expérience. Mais y a aussi ando le marché le can y khdem au secteur le can hakmo. Oui, oui, le khamem le haka qui goul ka ou yarf. Le khdem a yarf a mdi hali yanjibou. Bien sûr, surtout les canards, ils ont les mêmes médecins. Ça a été ouais, ils ont fait la gynéco. On va dire, ils ont fait notre laboratoire, ils ont les compléments alimentaires à la gynéco. C'est un plus pour le laboratoire. C'est le portefeuille médecin. On appelle ça un portefeuille médecin.
مي هادوك لي فورماسيون كلش ما عندهم حتى معنى، يعني زيادة بك بتعمر لو سي في. Donc, maintenant, j'ai oublié la question ce qui concerne les formations. La partie, deuxième partie, quelles sont les chances de recrutement pour un jeune diplômé sans expérience? والله لي شونس سا ديبون. درك كاين دي ميد، كاين بوكو د لابو وساعات دو غران لابو، كسا سوا فايزر كندي ولا نيمبورت كال لابواتوار، ساعات يشيرش دي ديليغي سون اكسبيريونس بور لي فورمي هما، بور لي فاسوني ا لور برودوي ا لور مارشي ا لور بوليتيك. دونك راح مادا به يجيب واحد سون اكسبيريونس كو يجيب واحد اكسبيريمونتي مقفول في راسو، راح يقول باسكو عليه واحد اكسبيريمونتي الى ان كونفيونس ان سوا، راه يقول كاني نعرف. دونك يجيبوا لابوراتوار باغ اكزومبل، سورتو اللي كان في نوتر جام سي تي نوتر بوليتيك، خدمه مع لي كارديولوج سي با لا ميم، مع لي زوفتالمولوج سي با لا ميم، مع لي جينيراليست اكسيتيرا. كل مارشي شاك سيكتور شاك سبيساليتي عندها لي سبيسيفيسيتي تاعها. دونك بزاف لي لابو اللي يجيبوا لي زونس اكسبيريونس، وساعات كيكون باغ اكزومبل لاب واحد لونسي ان برودوي جديد، ماذا بيه يجيب واحد عنده اكسبيريونس باه يلونسي له مليح لو برودوي هذاك. دونك نقول لك 50% دو شانس داتر ريكروتي. D'accord. Je pense la dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a des labos qui exigent une formation en marketing plus à la formation scientifique? Non, aucun laboratoire pour délégué médical ne va exiger une formation marketing, sauf lesquels habitent comme délégué commercial ou la commerciale médicale. Lesquels commerciales, ils exigent beaucoup plus marketing que scientifique. S'ils trouvent les deux, c'est mieux. Mais pour le commercial, Homely, beaucoup plus, ils exigent une formation marketing. Sinon, la plupart, pour le délégué médical, c'est formation médicale. Point. Oui. Hadi, je suis Ziad Ali Kintaya. Oui, qui dit une formation ou un diplôme marketing, c'est un plus pour vous. Parce que, actuellement, tu as l'aimé des techniques marketing, tu as l'aimé que tu fais au collège, c'est un plus. Mais c'est obligatoire seulement pour les commerciaux. Encore les kinds de commerciaux, là, mais c'est le marketing. Moi, je me suis fait un travail, j'ai une expérience. Une question, je vais vous dire que je suis un peu plus jeune. Docteur, si vous n'êtes pas satisfait des produits de votre labo, est-ce que vous continuez de travailler? Si oui, ce n'est pas contre conscience. Là, ça a un peu de kiffe. Des délégués, ils trouvent que le produit tiao qui n'est pas efficace, le produit tiao merg. D'ailleurs, il y a les supérieurs tiao, il y a eu un problème sur le terrain, le produit n'est pas efficace, beaucoup les chkiou. Comment ils peuvent l'usine, ils peuvent régler le problème. Par exemple, le médecin de Gloatini, une deuxième chance, c'était un lot, il fait de bark. Ça a un shift, le produit tiao moins efficace, ou rahi tiaobek. Je vous conseille de chauffer un autre laboratoire, déposer des CV au collège, comme le redemain bismen ou classe. Mais sinon, les produits sont efficaces ou comme le redemain, ça sera vraiment très très difficile. Comme Zef, ils n'ont pas de conscience, Mohamed Bih. Donc, il y a des gens qui ont été en médecin, qui ont été pris en charge, qui ont été pris en charge au Ksubli Bark. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas de conscience. Tu es pris en charge, tu as des produits qui sont inefficaces, classe. Mais la plupart des labos, les produits ils sont efficaces. Ça, il y a des problèmes de tolérance. Comme par exemple les concurrents, ils avaient un problème, ils ont fait l'aïnine. Les patients ont fait. Mais n'empêche, ils ont fait quand même. Par exemple, quand ils ont les produits rupture, ils ont fait. Ils ont fait le problème de tolérance, ils ont fait le problème. Il y a des astuces ou quoi. Mais les produits sont efficaces, خلاص. Vaut mieux voir un autre labo parce que ça va te faire. Surtout les gens sans expérience, ça va te faire beaucoup. محلي يعني كدير اون مال ريبوتاسيون ليك بعد ليك انت في الاخر اون ريبوتاسيون مالكا نو باسكو يشوفوك كوم فوندور على بالهم بلاك فوندور لكن برودوي مش ايفيكاس ويشوفوك بلي راك مشيت تو فور جو بونس ميم لي غون لابوار يريكروتيوك افيك غون بليزير فوالا يقول لك وي وي قلت ما عندوش اكسبيري عندوش الاخر برودوي ماشي افيكاس ومش ما لا ان برودوي افيكاس كيفاه كيفاه وي
Bon, les questions, je pense que tout le monde est intéressé. Oh, parce que Oui. les vétérinaires ont la plupart habillés de la délégation. Donc, ça sera avec grand plaisir. Je Oui. répondrai à tout le monde, Inch'Allah. Apparemment, des biologistes m'ont Hey, même les biologistes, bizarre, ils là. ont le délégué médical, oui. Oui. Manal, quel est le best... Ah, arrêtez la question. Le best site pour trouver un emploi en délégation. Emploi Le meilleur type. site, à mon avis, c'est Facebook. Parce qu'il y a des groupes de délégués médicaux Oui. ferment énormément de labos, ferment énormément de superviseurs. D'ailleurs, même le directeur, c'est un des groupes de Donc, il poste souvent des postes, que ce soit Oui. délégués médicaux, commerciaux, même pour superviseurs. Je pense que le Facebook est le meilleur. Il y a le site Emploitique. Mais maintenant, je vais te mettre les CV emploi-tique, jamais maintenant. Personnellement, je n'ai pas eu une bonne expérience, mais emploi-tique. Quelques-uns les aïto, je ne sais pas. Il y a plein de sites. LinkedIn. Oui. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Bzaf fait les recrutements ou bzaf fait les offres d'emploi. Donc, je vous conseille Facebook et LinkedIn. D'accord. Voilà. La question suivante, quels sont les grands labos en Est? Les grands labos d'ailleurs, même si implanté fait Blasa ou la fait Blasa, les gars international ou la nationale beaucoup. Les gars, Oui. quand le siège, c'est au Kima, par exemple, c'est Sanofi, ou la thèse Novo Nordisk, ou la thèse le labo l'inchnafé, c'est Jim Jean Pharma. Le siège social, il est à Alger. Mais ça, ils sont implantés partout. Donc, qui te le CV, ils vont vous appeler pour un entretien, fait un hôtel. Les rapports se font par internet, par email, pardon, ou là les communications par téléphone. S'il y a des réunions, ça me dit le comme les hôtels ou qu'il y a les grandes réunions nationales, il dit que le siège c'est à l'Alger. Sinon, les labos, la plupart des labos, ils sont implantés dans toute l'Algérie. Les grands labos, Pfizer, Sanofi, Novo Nordisk, Kendi, Jimjo. Théa, Alcan, Adobo, que lui sont fil de zéro beaucoup. Mais où je regarde l'Est. Voilà. D'accord. Manel, j'ai des amis délégués qui arrivent à 15 millions par mois. Dites-le comment ils ont fait pour avoir ce salaire? C'est très simple. Qu'un des délégués qui a lieu sur 20 millions par mois, qui m'a été Sanofi par exemple. Le salaire de base, on va dire par exemple, le salaire de base aux 5 ou 6 millions. Avec l'indemnité véhicule, 5 ou 6 millions. Déjà, on a entre 10 et 12 millions, plus la note de frais. Note de frais, le Kenyatek 5 dinars, le Kenyatek 15 dinars al kilomètre, qui m'a fait le grand labo, le lieu sur 20 dinars. Qui te roche, blasa, 100 km, vous êtes à l'aller ou le retour, donc ça te fait 200 km. 200 km fois 15 dinars, ou la 20 dinars, et déjà 400 000 ou la ktar. Donc, en plus, les déplacements, mais ils sont très fréquents. Donc, la note de frais tac, rachat. Donc, le salaire de base, plus la note de frais, plus haqlim bêta, les hôtels, plus 1000 dinars chaque jour, t'as panier, ou la 800 dinars, ou la 700 dinars. Donc, ça fait un total 16, 15, 14, ou 15, 18, 20 millions. Donc, ça dépendra des labos. Une collègue qui cherche à savoir est-ce qu'il y a des labos spécifiques dans le domaine vétérinaire? Eh oui, il y a des labos spécifiques. Il y a des mizaniyat Constantine Tabossov. Bonsoir. Hey, oui, c'est ce que je veux dire. Il y a Vetofarm aussi. Il y a quelques. GPM, GPMK, c'est Medeni. Il y a quelques labos vétérinaires. Mais les labos vétérinaires, ils ont une mauvaise réputation. Mais c'est le coup, je me les délégués. Ou tenir les produits, ils sont pas. Mais quand je les produits vétérinaires, il n'y a pas une grande concurrence. Bien
Donc le délégué miaoulouch allait bzef, donc il y a un petit salaire. Donc vaut mieux voir côté humain en priorité. Ou le côté vétérinaire, ben c'est bda. Mais allez, c'est bda juste pour l'expérience ou khdem. ما دي لابو فيترينير اي ما فيهاش خدمة Labo vétérinaire, pour commencer, par exemple, là, par exemple, labo vétérinaire, me fiche déplacement bzef. Pour une femme, les médecins se déplacer ou là, c'est excellent. C'est des choix. Manel, comment réagir avec les médecins qui sont mal bon, je vais qui sont mal éduqués avec les jeunes filles. Ça, c'est arrivé à plusieurs filles. Je m'excuse pour la question mal placée. Oui, elle a raison. Il y a beaucoup de médecins, surtout les jeunes médecins, ils pourraient draguer la fille ou la déranger ou la. Il faut vraiment que la Suisse, il faut qu'elle soit méchante. Il faut le remettre à sa place et lui montrer qu'on est là pour le travail et non pour la drague. Parce que là, s'il se laisse faire la première fois, deuxième fois, elle peut aussi informer son supérieur. Le médecin avec il pourrait le mettre à dire de blason surtout le commandant d'expérience normal il y a un truc déplacé tu bdelo le sujet ou là du le docteur on est là pour tel produit je préfère qu'on reste professionnel tchbah le wajh en général une deux fois c'est bon ma hésite darbia le médecin khalak inchallah Oui, il faut qu'elle s'impose. il C'est faut la ça voilà. personnalité Zach. C'est toujours le délégué qui doit s'imposer. Il faut jamais laisser le médecin Qui s'imposer. Que ce domine, oui. soit voilà, qui domine, que ce soit pour la vente ou pour un truc personnel. Il faut toujours dominer le médecin. Il faut toujours s'imposer. Il faut toujours rester professionnel. Il ne faut pas le taqlaq parce qu'elle est cadre la première fois où il testait à voir comme il dit chauffera professionnel. Ou il va. Ou tu peux tout lui traiter bien, mais ah oui, que c'est bien, ou quoi. Donc il ne faut pas qu'elle s'énerve, ou là, le mzich trahlo, ou là. Si elle a pas, ou pas, il s'en m'a tomber, ou quoi, elle informe ses supérieurs, ou tu peux même t'en faire classe, mais le data t'a, ou mzich t'offre. Elle Oui. laisse par exemple son collègue, ou là, le binôme t'a, il est de bras. Voilà. Une question de Ammar. Oui. Question par. Ah non. Une question par docteur Amin Bouchichi, qu'on le Oui. salue. Une petite question. Est-ce que le fait qu'un médecin qui vend ses patients au laboratoire pour avoir une prise en charge ou d'autres bénéfices est vraiment le principe de la délégation médicale? Un médecin qui vend ses patients. يعني زعما على جال لو لابو هذا اللي راهو يخدم معاه على جال واش راهو يدي من عندهم يكتب لهم يبريسكري لي ميديكامون تاع اللابو المهم هو يدي Nous disons, sur le domaine médical, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas professionnels. Tu as un médecin qui directement. Il y a des médecins qui n'ont pas froid aux yeux, qui y vont directement. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Vous me donnez une prescription, vous me donnez une inscription ou là, un hébergement ou là, une prise en charge totale pour un tel événement. Je vais vous prescrire, je vais vous donner le maximum. Il y a plein de médecins qui sont comme ça. Ce n'est pas professionnel, certes, mais on doit s'adapter. On est là pour travailler. Mais chaque fois qu'un médecin dit qu'il me dit je chauffe, me dit je chauffe, sinon خلاص ça l'autre. خلاص ça Oui, ma c'est ça. nkhdemch. Donc il faudra s'adapter, rester professionnel. Par exemple, des prises en charge à la la prochaine fois tu dis un autre. On doit faire une rotation, aider d'autres médecins aussi, on doit rester professionnel. Ou si, par exemple, les meilleurs événements, on dit que les hommes, par exemple, on dit que les salles charges ou les hommes qui sont bien placés, on s'adapte selon le budget, selon le médecin, selon les objectifs. D'accord. Ouais. Donc, Wahida, si t'as pas de voiture, comment ça se passe? Alors, si vous n'avez pas de voiture, soit vous voyez des labos qui offrent la voiture,
Mais en général, c'est les grands labos où là, vous prenez. La voiture est obligatoire. Sinon, les autres ne vont pas vous accepter. Parce que imaginez, vous avez cette semaine 1000 affaires ou chez le en bus. C'est impossible. Je ne pourrai jamais voir tous les médecins et finir dans les temps. Les transports, en plus de ça coûtera très très cher. C'est quasiment infaisable. Si vous avez par exemple une voiture, qu'elle tombe en panne, ou là vous pouvez dépanner, c'est qu'elle est automobile, là transport pour une courte durée. Mais si vous n'avez pas de voiture, c'est impossible à faire. À part la chef d'un laboratoire, elle est au limite automobile. D'accord. Ouais. Manel, comment gagner un médecin rouge, mais tête très potentielle, genre la tête dure qui te laisse pas parler? Là, on va commencer par l'écoute active. On va le laisser parler. On va le laisser discuter. Puis on va essayer de traiter les objections. Parce que c'est en général, c'est des objections. Là, on va essayer de traiter ces objections une par une. Le prise en charge, on va essayer de voir comment on fait avec lui. Est-ce que le est-ce qu'il prescrit pas? Comme c'est un potentiel, donc on doit se donner à fond pour le gagner. On fait le maximum. Essayez de trouver le temps qu'on fait calme, à l'aise. Par exemple, il y a des médecins qui trollent entre les patients, alors ils préfèrent fin de journée. Parce que c'est une infirmière. Elle peut vous donner des informations sur le médecin. Est-ce qu'il est calme au début de journée ou la fin de journée? On essaye de traiter chaque objection, chaque problème. Lakin à chaque fois, il copie le hadara. Tu gentiment, mais tu dis au docteur, est-ce que je peux finir ma phrase? Sur le tordo et le blason. Parce qu'après un certain moment, c'est trop. On doit s'imposer un petit peu et lui expliquer qu'on est là pour le travail, qu'on a des produits efficaces qui sont disponibles, qui sont là, qui sont très concurrentiels. On va dire, tu il oublie le produit, tu as crème, le concurrent, il dit que tu fais quoi, telle chose avec la DV ou la des flyers, ou les études, ou collège. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, une question du live. Est-ce que l'âge limite. Ah, non, pardon. Quel est l'âge limite pour déposer un dossier ou bien cela n'a pas d'importance? Bon, la plupart des labos préfèrent un délégué jeune qu'un délégué qui a 45 ans ou 50 ans. Parce que d'un côté, un délégué qui a 40 ans, il va la politique au laboratoire. Mais, quand j'ai été recruté, il a 45 ans. Il a été recruté ou a le meilleur délégué. Donc, certes, ils privilégient les jeunes beaucoup plus, parce que ils sont aptes à se déplacer, beaucoup sont célibataires, ils n'ont pas d'examen. Donc, il y a un privilège pour les jeunes beaucoup plus, mais même les Kbar ils ont des chances d'être recrutés. Voilà, exactement. Surtout les cas d'expérience où il a fait de bons résultats les labos précédents. Ça joue énormément. D'accord. Sur le live toujours, est-ce qu'il est possible de nous expliquer le CAB? Je ne sais pas c'est quoi le CAB ou la CAB. Je ne sais pas si c'est ABD. S'il vous plaît donc de nous expliquer ou là de rédiger votre question. Voilà. Entre-temps, Wahida, qui a posé la question sur la voiture, dit que non, je parle d'un labo qui offre la voiture. Comment ça se passe, salaire? Les labos, ils mettent que la voiture a l'indemnité véhicule. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un laboratoire, il y a le salaire de base, il y a l'indemnité véhicule. L'indemnité véhicule sur lequel est automobile. Donc lorsqu'ils vous offrent le véhicule, ils vont vous enlever l'indemnité véhicule. Vous aurez le salaire de base plus la note de frais. Plus, bon, qu'un des laboratoires, le véhicule ADEC, après tant d'années, ils vont vous l'offrir. Qui m'a pas un nouveau Nordis, chaque 4 ans, et que ce bloc le véhicule Bismuth qui attaque ton mobile relève à la société. Donc, je crois que c'est une prime bête. D'accord.
Voilà. Question, comment font les délégués avec le problème de stationnement sur Alger? صح انت فاسك انت اشطرتك كوسي لي ديليغي تاع الجي يلقاو اون جينيرال لي ديليغي تاع الجي مسكنو في الجي بعد دونك كي كونيس بيان لو تيران انا جو سور كونستانتين باغ اكزومبل في سنتر فيل جو مو غار ان اندرو اي جو في مون سيكتور ابي سا مو في دو لا مارش اي جو ترافاي بلوس ا ليز فو بوفي اوسي شاك فوا فير دي تور دي زالي روتور جوسكا تروفي اون بلاس ولا تشوف هذوك لي يخدمو باركينغ هذوك تشوف معاه يلقى لك بلاصه Enfin, Claude Christophe de Garania. Oui. Question de Wahida. J'ai une question qui peut être un peu bête, mais non, toutes les questions ont un paiement. Comment Exactement. savoir que le médecin X, pardon, prescrit plus ou moins le médicament? Alors, comme je l'ai dit au début de la formation, le délégué, le médecin, il doit d'abord aller à la pharmacie. Par exemple, un médecin, Flechroub, les pharmacies aux alentours, on les appelle les pharmacies satellites. Parce que là, les 60% des patients vont à la pharmacie la plus proche. Le médecin tout de suite la Donc, les pharmacies satellites, c'est les pharmacies qui donnent les médecins. Nous d'abord, le médecin rend la pharmacie. Nous avons la disponibilité des produits. On cherche le produit qui Je demande est-ce qu'il y a une rotation, je sais pas, 3 par semaine, 10 par semaine, ou je compare avec la concurrence. Ben, est-ce que Gedik Sublime Lih, tu peux ou non? On ne peut pas se faire, mais surtout, il y a un bon relationnel avec le pharmacien. Tel médecin, ou tel médecin, ou je Gedik Sublime comme produit, on m'a tellement dit, mais je m'y ai fait par cœur. Il y a le médecin, il y a Gedik Sublime produit, ou il y a le médecin, Gedik Sublime. Donc, vous aurez une idée. Approximative de la rotation de chaque produit à tel médecin et tel médecin. Donc, avec ce troll de médecin, par exemple, il y a trois produits. Il y a les deux autres produits. Troisième, il y a un gadimchi. Donc, il y a un troisième produit directement. Voilà. D'accord. La personne qui a posé la question sur le CAB, get CAB, c'est-à-dire caractéristiques, avantages, bénéfices. Nous avons à la fin classe de la formation. On a parlé des avantages et des inconvénients le métier là. C'est que certes on a un bon salaire, mais on n'a pas on a beaucoup de déplacements et beaucoup de tarifs. La capacité à s'organiser tout seul, c'est un grand avantage. Tu peux trier le plan ton état, tu peux trier une place à l'autre, on peut aussi commencer à travailler vers 10 heures si on a quelque chose à faire avant. Moi-même, je suis superviseur, ça donne une mauvaise image. On peut terminer ça à Tbekri, par exemple, le fait c'est un avantage tout ça. Mais parfois, il y a un énorme stress ou l'instabilité, comme déjà, ça a le laboratoire est décidé licencier ou là est décidé yakfel khalas ou là il bdel la politique tiaou, il y a pas mal d'inconvénients aussi. D'accord. Voilà. Yacoub cherche à savoir est-ce que la carte jaune est-elle obligée? Pour la plupart, elle est obligatoire, oui. Parce qu'elle est dakhlek tkhdem ma'a مش تخدم معاه كلكو موا ومن بعد كاين كونغري في الخارج يخرج يحكمك في لادوان يهزك سيرتو لي لابوراتوار انترناسيونو امبوسيبل يدخلك سون كارت جون باسكو على بالهم كاين ديبلاسمون كاين ريسك دونك يبريفير يقولك جيب لا كارت جون مي كاين دي لابوراتوار يقبلك ميم سون كارت جون سيرتو لي لابو الجيريان يقولك هاو يدور هنا برك مي سي يا دي كونغري سي يا دي فواج دو موتيفاسيون سي فو ام يديوكش كاريمون و De préférence, il a dit, n'est-ce pas, il y a des problèmes de la posture. Vous serez plus à l'aise, vous aurez beaucoup plus de chance. Voilà. Là, les avantages. Oui, merci, Raouf. La personne qui est en live, elle a mis deux produits que je parle, caractéristiques produits, avantages. Je ne sais pas si je vous s'il vous plaît. De bien rédiger ou bien reformuler votre question. Ah, je pense que y a les avantages sur le produit. Donc, bénéfice produit. Hey, donc, bénéfice produit, bénéfice
contrôle de médecin lorsqu'on présente un produit. Il vaut mieux parler bénéfice patient, pas bénéfice produit. On va présenter le produit à parce que le médecin, c'est le patient. Donc, on va qui aime bien présenter un produit. Le produit TAI, la DCI, TAI, les avantages. Mais les avantages de chia, le kent bda tqoulo parce que c'est un antibiotique, il a large spectre, il touche tel germe, etc. Ça l'intéresse pas vraiment. Mais kima kitqoulo par exemple, le produit tana hada fait l'HPMC par exemple, le ya ta 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 ta. Mais l'HPMC, elle va donner un confort à vos patients, elle va donner une sensation de confort, de fraîcheur, elle va aider les patients à surmonter des la harir ou la. C'est ça ce qu'on appelle bénéfice patient. Donc chaque étude. وحدك بعدك تهتز لا دي في تاعك لا بروميير فوا تقولك اسايي دو شيرشي في لو برودوي تاعكم واش كيس كي دون كون بلوس بور لو باسيون سو كون ابل لو بينيفيس باسيون هنا سي انتريسون بور لو ميديسان كي يشوف كي تهضر له راح يدير الباسيون تاعك هيك وراح يدير الباسيون تاعك هيك راح يدير الباسيون تاعك هيك اون بلوس دونك سا سرا ديجا راح يسمع لك خير من هذوك لي زيتود سيانتيفيك تا 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 سا سرا ترو انويون بور لو ميديسان. Donc, ça les bénéfices patients, c'est plus intéressant. J'espère D'accord. avoir répondu à la question. Normalement, donc on se fait chocolat. Inch'Allah. Entre-temps, Manel, le lieu de travail suit le lieu de la résidence, c'est ça. Donc, la plupart des délégués changent des labos en moyenne chaque un an. Pourquoi? Ah, deux questions, Hedo. Oui, bon, on va commencer par la résidence. En général, oui. Le secteur consentine et alentour. En général, on met les grandes wilayas, où il y a beaucoup plus les labos. Consentine, aux alentours, Skikda, Jijel, Mila, Amboire, etc. Pour un délégué qui réside à Annaba, ils vont lui donner Annaba, Taref, et alentours. يس كوم باغ في بيتنا يهبطوهم لتحت سالواد يمدوهم بسكرا يمدوهم لي زالونتور هادو دونك سي لو ليو دو ريزيدونس اي لي زالونتور واش لي ليو دو ريزيدونس سي دي بوان باينين ظاهرين لي لابو سي كونستانتين سي ان جينيرال عنابة سي باتنا سي سطيف هما اللي حاكمين البرج اللي حاكمين مي كاين اللي حاكم ميلاك سا دي بوان مي سي لي غراند ولايا بور لا دوزيام كيسيون. Le changement de labo, ça dépend. Quelqu'un qui est délégué, par exemple, à Sanofi, il y a un kbar fl'amar. Mais ça fait 10 ans, 15 ans, on a fait le même labo. Lorsque vous avez un excellent salaire, lorsque il y a une certaine stabilité dans le labo, lorsque vous avez des avantages, lorsque vous êtes à l'aise avec vos coéquipiers, vos collègues, avec votre superviseur, pourquoi changer un labo? Vous avez un excellent salaire, pourquoi changer un labo? Alors que l'ITRE, par exemple, fait un petit labo, tu as par exemple un labo vétérinaire, tu as un an, si on trouve une meilleure opportunité, bien sûr qu'on change. C'est selon les opportunités. Mais ça dépend. Chaque délégué ou qui fait. Maintenant, ça fait donc 2 ans et demi, on a fait le labo. Alhamdoulilah, je suis bien, je n'ai pas envie de changer, sauf si je trouve une meilleure opportunité. Par exemple, moins de travail, plus de salaire. Inch'Allah, Inch'Allah. قال لك من لو لايف توجور قال لك سي كوا دو لا بون اوبسيرفونس. La bonne observance d'un médicament, c'est lorsqu'un patient, par exemple les gouttes, ou n'importe quel médicament, qui le patient, il chorbo. Parfois, il y a qui m'a les associations antibiotiques corticoïdes. Pourquoi? Les médecins ici un flacon ou là, un médicament, fait l'association Hermine deux médicaments différents. L'observance, c'est qu'il met Effectivement. le patient, il chope le médicament au complet, mais le l'autre, où il charme la posologie. Le 4 fois par jour, les Michel 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours. Donc, il met le 2 3 médicaments. Alors, Kadrin 3 jours, il habite. L'observance, c'est qu'il a le médicament ويكملوا من الاول للاخر دونك اللي هاي بريفيليجي ساعات لي اسوسياسيون في ان سول ميديكامون يا اون ميور اوبسيرفونس كو واحد كو مصرف فوالا
Balak, c'est la dernière question de Manel. Comme vous dites, c'est le laboratoire qui forme le délégué. Ces genres de réunions en expliquant les méthodes de vente, etc. Qui fait des formations, les déroulent les labos, les délégués. Alors, au début, lorsqu'on commence le travail pour la première fois avec le laboratoire, la hédil qu'une formation, selon les labos, bien sûr, qu'elle idéale qu'en une semaine, qu'elle idéale qu'en 2, 3 jours, ça sera basé d'abord sur les produits, le produit, la DCI, les composants, comment présenter le produit, toutes les DCI, tous les détails du produit. On va qu'il y a des laboratoires qui vont ajouter des techniques de vente, techniques marketing, des astuces, etc. Quel est non? Il y a de brasque. Qui m'a par exemple qui m'a le traitement d'objection linéaire tel comme Gbil, c'était le laboratoire. C'était la formation. Bah, nous donnons le workaround. C'était des photos. Les habits nous bâtissent le tenir. Bah, il y a pas de souci. D'accord. Donc, selon les labos, il y a les formations continues. Il y a des laboratoires chaque année. Ils ont les délégués de réunion. Il délègue une formation. Quand il est la réunion de cycle, il déroule une réunion où il me donne que selon les objectifs de la société. Par exemple, dans le cas d'importation d'un produit ADEC, on a un produit en grande quantité. Le produit ADEC, par exemple, c'est un mouillon. Donc, on va faire une petite formation à les mouillons, les avantages de ham, et on va se focaliser sur les mouillons. C'est les formations dans le labo au cours des années à venir, mal le délégué ou mal les commerciaux ou mal les superviseurs, selon les objectifs du laboratoire. D'accord. Voilà. Donc, avant de continuer, Barka l'Amana qui m'égoulo, je vais lire un commentaire. La personne Ligadli, tu n'as pas transmis mes remerciements. Galek, mille merci, Raouf. Franchement, c'était enrichissant. Merci à vous. J'espère que Talim Toubzef. Si vous avez des questions, Oui, mais elle a les questions. même dans l'avenir, marhaba tani, il n'y a pas de souci. Ça a été un plaisir. Wa atikoum ssaha li tfarajtouna boukl. Ou kamli les questions, vas-y. Oui, donc il y a que quand on est nouveau dans le domaine, on adresse nos questions au superviseur, il est normal. Oui, bien sûr, parce que là, le rôle du superviseur, ce n'est pas un policier, mais le superviseur, c'est un support pour le délégué. Il est là pour vous. Si vous avez un problème, il dit faut collègue. Si vous avez des questions, enfin, produit ou la touche mliah, un site qui fait présenter, ça va être le superviseur. C'est un support pour le délégué. Parce que là, on doit tenir des objectifs. Qui maintient des objectifs? Qui te les objectifs tiens? Qui a les objectifs tiens? Donc, mes débuts, ils sont tous là. Donc, il va y avoir plus de Voilà. Oui. Donc, même ce commentaire, je vais le lire. Manel, une réunion très riche, la Hiberek. On n'entend que des rumeurs à la des délégués. Apparemment, c'est beau de parler avec des gens pro. Ben, ça a été un plaisir. Oui, il y a beaucoup de rumeurs. Il y en a qui disent au tout début, il y avait des rumeurs à le salaire, il y avait des rumeurs à le khedma, il y avait haka. Il faut pas toujours écouter les rumeurs. Parfois, c'est des rumeurs fondées. Parfois, c'est fondé sur des expériences personnelles. Par exemple, un ami, par exemple, dès un entretien au collège, lui ont proposé 3 millions de salaires. Il savait pas quel était le salaire d'un délégué normal. Donc, ben, le haja normal, il a accepté. خدم شهر ولا شهرين شكرا وبطل فاق بلي سا سفي با بلي ما كيدي يدخل في والو دراهم بكل رايحين عند خلا فواتور غدا شي وكلش Oui. دونك لي رومور بارفوا ال سون فوندي بارفوا اي ديز نيمبورت كوا دونك هادي Oui. قالت لك en fait, quel est l'intervalle d'une visite à une autre? هنا سولون لي لابو اوسي كاين لي كيما حنا باغ اكزومبل سي 15 جور Une visite, le médecin chauffe chaque 15 jours. Là, je visite Jijil Dorka. La semaine prochaine, ça sera en Bouaké et en Bouaïda. La semaine d'après, ça sera encore Jijil. Donc, une visite de 15 jours. Ou là, par exemple, le médecin, il dit que bzaf alia ou la chaque mois. Tu dis le superviseur, tel médecin ne veut pas nous recevoir autant de fois.
يقول لك داكور ردوا شاك موا، دونك مرة تصوتيه مرة تشوفه مرة تصوتيه. كاين دي لابواتوار بزاف اللي يديروها ان موا ديراكتومون، دونك سا سخا شاك موا اون فيزيت. Oui, docteur Abdrahim Fergati, que je le salue, personnellement, je vous dis bravo, vous avez vraiment parlé de tout. Merci, ça a été un plaisir. Bon, donc, je pense qu'on a, oui, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre session. Merci Est-ce qu'il à y a une tous. autre question? Eh oui, une autre question. Marhaba. Voilà, c'est avec plaisir. Allez-y. Oui, c'est un indice que la session est très alhamdulillah. Alhamdulillah. Oui, soi-disant, le produit n'est pas disponible chez le pharmacien. On lui dit de l'acheter car on va booster les médecins du secteur, mais il n'est pas convaincu. Le pharmacien déjà qui chauffe les prescriptions de le médecin Jayin ou un d'eux qui jérit ou s'éjib le produit. Donc si le médecin marche avec vous ou surtout les kinders salides, par exemple docteur, le produit est disponible dans d'autres pharmacies. Pharmacien Adam Andouche, il est disponible dans d'autres pharmacies. Quand parce qu'elle est trop loin de médecin, il dit que j'ai eu des retours. Je suis pas qui, mais il croit comme les retours en général les médecins. D'accord, j'ai fait la tournée, comme toujours, vous devez faire d'abord la tournée des pharmacies. J'ai fait la tournée docteur, où j'ai remarqué que 3-4 pharmacies flénines, ils ont le produit, sauf flénines, et on va quand même essayer d'avoir la disponibilité. Si le médecin a eu le bel ou qu'il y a un produit d'autres pharmacies, alors il y a que systématiquement. Il y aura, c'est sûr, des personnes qui vont voir la pharmacie HEDIC. Goul le docteur Lekin, si vous avez des retours, goul l'ambliquin, les autres pharmacies. D'accord, donc le pharmacien qui chauffe les prescriptions d'énergie, automatiquement, alors, il va tout faire pour ramener le produit. Les pharmaciens qui ont un muscle, c'est les quotas. C'est votre produit, surtout qu'il y a une importation, quota, derrière la clé. Les grossistes, ils ont des packs. Ils goul le Lekin, le médicament X, ils ont des Y ou Z. Donc les pharmaciens, ils disent qu'ils ne veulent pas acheter un produit qui est en train de Donc ils hésitent. C'est pour ça qu'ils trouvent les prescriptions de Jane College en général, ils ne veulent pas. Voilà. D'accord. Une question de Dr. Fergassi. Oui. Comment le labo se comporte avec un délégué si l'objectif n'est pas atteint? Alors, si l'objectif n'est pas atteint la première année, ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Je n'ai pas eu mes objectifs la première année parce qu'on commence à peine, on découvre, on commence à se faire des relations avec des médecins. On est nouveau, le secteur, la spécialité. Ça arrive à tout le monde. Mais après cela, si vous avez 2, 3, 4 ans, vous avez les objectifs, une fois, il n'y a qu'un avertissement. La deuxième ou la troisième fois, c'est le renvoi direct. Parce que le laboratoire, même le superviseur, il y a un national, le national, il y a un international. Donc, quand il y a un beaucoup de change, donc ils seront obligés de vous envoyer, malheureusement. Wahida, si oui. Le médicament n'est pas disponible dans les pharmacies, alors que le pharmacien dans le générique, on fait comment? Là, il faudra. D'un côté, voir le médecin et lui demander de s'assurer de dire au patient le médicament prescrit. Parce qu'il est disponible chez les autres pharmacies, il est disponible. Il y a aucune raison, il me donne le générique. Mais si ça se passe ou ça se passe souvent, il faut parler au médecin. Il peut même faire l'ordonnance, ne pas substituer. Parce que connu que le médecin, ne pas substituer. Le pharmacien, il peut dire d'aller passer. Ne pas substituer, d'un côté. Ou le médecin, il faut voir avec le pharmacien. Il dit, monsieur, on travaille sérieusement. Les produits TANA, ils sont efficaces. Ils sont disponibles. Je préfère dire les produits TANA. Ou traitement bien qui m'a les médecins les prescrivent parce que même nous on va avoir des problèmes avec le médecin où il va arrêter la prescription si ça continue comme ça. Donc il faut faire une pression des deux côtés ou en général après quelques visites ça va se régler.
Une question de Manel. Oui. Un délégué doit visiter les cabinets de médecins et les médecins des hôpitaux et les polycliniques. Bon, ouais, ça dépend de spécialités. Donc, par exemple, un anachdem l'ophtalmo, je dois voir 10 médecins par jour. Voilà, nécessairement d'acheter le point d'eau. Chaque laboratoire, il n'y a qu'un nombre de médecins à voir par jour et nombre de pharmacies. Si je dois voir 10 médecins par jour et 4 pharmacies, on a par exemple le secteur tel groupe, il y a 3 il y a 3 ophtalmos, il y a 4 ophtalmos, pardon. Ou qui va encore les 10 médecins t'sais. Je vais continuer par les généralistes. Les généralistes, c'est beaucoup le polyclinique, hôpital. L'hôpital en général, de parce que l'hôpital, c'est un potentiel énorme pour le délégué. Donc, en général, en une seule journée, il y a des dizaines de médecins fait chaque service. Donc, les hôpitaux, oui. Très de moments, la journée, sinon, les polycliniques, on fait les généralistes. Qu'un des polycliniques, ils font la spécialité tani. Les généralistes cabinards. Il y a beaucoup de les médecins par jour. Tu présentes les produits, les bon moment. Donc, je vais te présenter le hajal les mecs. Voilà. D'accord. Est-ce que la lettre de motivation, pardon, est très importante? La lettre de motivation, elle n'est pas très très importante. Surtout en Algérie, bzaf fait recruter sans lettre de motivation, mais c'est un plus. C'est un plus pour le délégué. Parce que là, en général, qui veut dire il fait un CV partout au collège, il est motivé. Il veut travailler. Donc, c'est un plus si vous pouvez mettre dans la lettre de motivation. Vous n'allez pas dire que je suis motivé, je suis sérieux, je suis. Parce qu'elle a dit, Hadra, n'est-ce pas beaucoup les Hadra. Il faut mettre vraiment, il faut mettre un plus. Par exemple, j'ai travaillé tel, ou là j'ai travaillé par exemple dans une pharmacie, donc j'ai une expérience avec les médicaments. J'aimerais agrandir mon expérience en travaillant en tant que délégué, etc. Oui. Wahida, elle cherche à savoir, c'est à toi de faire, c'est à vous, pardon, de faire la liste des médecins ou bien non. La liste des médecins, c'est à vous de la faire, bien sûr. À Biatek, par exemple, le secteur, c'est à Constantine, mais là où j'ai. Vous allez demander, le superviseur, les médecins, vous pouvez demander, on appelle ça un data médecin. Vous pouvez demander le data médecin, les groupes, un ami, ou là. Là, vous commencez carrément, d'oro, tu as besoin d'une pharmacie, tu sais. وين جاو لك باغ اكزومبل تخدم مع لي جينيكو وين جاو لي جينيكو من فضلك يقول لك في عند في بلاصه فلانيه بلاصه فلانيه اي فو فات فوتر بروبر داتا ميدسان وتعمرو اون جينيرال يقول لك بعث لي لو داتا ميدسان تاعك ابخي كيلكو طون تبعث له لو داتا ميدسان افيك تو لي ديتاي سيكتور نيميرو تيليفون لا سبيسياليتي اكسيتيرا هذا هو لو داتا ميدسان سي افو دو لو فير بيان سور Vous pouvez aussi le demander, l'un des autres délégués, il n'y a pas de souci, vous le modifiez selon vos besoins. D'accord. Voilà. Donc, une autre question de Dr. Fergati. Oui. Comment on gère les échantillons qu'on donne aux médecins? Gestion et surtout suivi. Oui. Alors, les échantillons, c'est un plus. D'ailleurs, le matériel promotionnel. C'est comme les flyers, qui m'a les stylos, qui m'a les cadeaux, etc. Si vous avez, je ne sais pas, 100 échantillons, essayez de le diviser à les médecins tech. Parce que surtout si c'est un produit jdid, parce que les échantillons de le canon jdid al-Jazair, un produit jdid le marché algérien, on peut donner les échantillons pendant 2 ans. Après 2 ans, les échantillons sont interdits. Ou quelqu'un les met quand même, mais bon. Les échantillons, vaut mieux les diviser à les médecins tech, parce que là, ils vont les essayer, fait homme la fleur famille, qui trouve les vraiment produits efficaces, il sera motivé pour prescrire. Si vous n'avez pas beaucoup d'échantillons, quelques-uns, vaut mieux les donner, par exemple, le médecin jdid, ou le médecin, les fixe le produit tac, il sera convaincu.
خير من المدسان اللي قد يكتب لك ديجا ولا اللي يعرف باغ كور البرودوي تاعك. فوالا. D'accord. Je passe à la dernière question. Oui. Que pensez-vous pardon, le laboratoire Hikma pour un début? Bon, je pense qu'on ne va pas répondre là. معليش بون بوغ ان ديبي نيمبورت كال لابوراتوار مليح باسكو لا فوز الي فو فير اون اكسبيريونس وكي هضر لك على لو سالير باسكو لا دوك تولي لو سالير كي هضر لك على لو سالير لكن لو سالير يوالمك فو ميو كومونسي بور سو فير اون اكسبيريونس وكلش لكن شايف راك راح تخسر اكثر من تربح خويا نقعد في الدار خير وحكمه كوم دوتر لابو سي سون دو بون لابو يعني الحمد لله فوالا. Merci. Donc, je pense qu'on est arrivé cette fois-ci à la fin de la session. J'espère que tout le monde a bénéficié avec nous et que vous avez eu une idée sur le domaine. Alors, je tiens de vous remercier, docteur Belkhairi, pour cette collaboration, votre temps et de cette superbe présentation. Merci beaucoup, Dr. Soussen, et je remercie le club Activate pour avoir organisé cette session, ainsi que toutes les sessions précédentes, qui étaient excellentes aussi. J'ai beaucoup appris avec vous. Et merci à tous ceux qui ont participé, posé des questions. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, envoyez par email, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, vous aurez appris beaucoup de choses. Merci à tous, c'était comme ça. Merci beaucoup. Donc, je tiens à vous remercier tous les participants avec nous, nos fidèles sur Zoom et sur la page Facebook. Un grand merci. Je parle ingulcom. Stay tuned sur notre page Facebook Club Scientifique Activate. Un programme de boom cette semaine vous attend. Ne ratez pas. Merci. Allez. Bonne nuit. Allez, à très bientôt, Inch'Allah. Allez, au plaisir. Inch'Allah.